Bonjour à tous et à toutes. Bon réveil, surtout doux réveil à tous et à chacun. Bienvenue à ce dernier numéro de la semaine de Come On Feeling, votre programme qui allie information et divertissement de lundi à vendredi entre 6h et 9h. Alors on espère que vous avez bien dormi. Oui, que vous avez surtout fait de très 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 bons rêves. Bon, maintenant il est temps de se réveiller parce que la journée va être longue. Voilà, vous avez pas mal de choses à faire. Donc, pour être au top de votre forme, commencez déjà par boire de l'eau, manger quelques fruits, hein, et projetez-vous positivement surtout. Alors, parmi nos sujets vedettes, nous parlerons des week-ends de l'écrivain qui auront lieu donc demain à Yaoundé. Nous parlerons également de la 5e édition du Festival des Traditions Africaines qui, voilà, ce festival-là aura lieu du côté de Fribourg en Suisse. Ce sera à partir du mois de septembre. Et puis, en troisième partie, on vous invitera à découvrir l'univers dans lequel Crossano, cette belle collaboration entre Marty Danak et Papa Bendeka a été réalisée. Et puis un autre artiste, et non des moindres, Adrien Béa. C'est un artiste qui campe la scène depuis 1980. Oui, il a fait le tour du monde. Il mixe bien musique traditionnelle et grands classiques du jazz. D'ailleurs, on l'appelle le baryton white. Hein, baryton, Barry White africain. Donc voilà à peu près les surprises qui vous attendent tout au long de cette édition de Cameroun Feeling. Mais tout de suite, nous allons vous inviter à voilà, suivre les enseignements de l'imam Ibrahim Kweti qui va donc vous édifier, autant pour moi, au sujet de l'obéissance. Bonjour une fois de plus et bienvenue. Je crois que j'ai manqué quelque chose. J'ai pas bu mon café. Alors on se retrouve juste après pour la suite. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa la aqibatu lil muttaqin, wa la utwana illa ala zalimin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته très chers frères et sœurs de la communauté globale camerounaise je vous salue et je vous souhaite une très bonne journée dans la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala Mes frères et sœurs, l'obéissance est quelque chose de capital. C'est de ça que nous parlons ce matin. L'obéissance est quelque chose d'humble. C'est-à-dire, lorsqu'on est obéissant, c'est l'humilité que l'on cultive. Lorsque vous êtes obéissant, vous n'avez pas enfreint une règle. Au contraire, vous vous êtes élevé. Lorsque vous êtes obéissant, vous apprenez plus. Lorsque vous êtes obéissant, vous respectez l'autre, vous vous sentez respecté. Vous amenez les autres à vous respecter. Vous amenez les autres à croire en vous. Vous amenez les autres à vous accepter. Vous amenez le Très-Haut à vous bénir, à bénir toutes les actions que vous menez, tous les efforts que vous fournissez. Vous recevez en retour quelque chose parce que vous respectez vos parents, vous respectez vos parents comme Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande de ne pas faire fi aux parents, de ne pas faire fi. C'est-à-dire, s'il nous demande de faire quelque chose, nous ne devons pas régimber, nous ne devons pas discuter. Car c'est le parent. Quand le parent vous a dit faites ceci, vraiment ne vous fiasquez avant de le faire, c'est déjà mauvais. Il faut le faire. Vous n'avez pas à discuter l'ordre d'un parent, sauf s'il vous demande de faire quelque chose qui est interdit par la bienséance. Même pour refuser, il faut être très intelligent, il faut être très sage. Maintenant, concernant l'obéissance à Dieu, on obéit à Dieu selon les connaissances qu'on a reçues. Parce que vous ne pouvez pas obéir des règles que vous ne connaissez pas.
il faut apprendre, connaître qui il est, quelles sont les règles qu'il a fixées pour pouvoir les respecter, parce que la désobéissance, c'est par rapport à certaines règles qui sont fixées déjà, que ce soit les règles qui sont fixées dans le Coran, que ce soit les règles qui sont fixées dans la Bible, que ce soit les règles de la nature elle-même qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fixées. Lorsque vous les enfreignez, toute cette désobéissance est contre vous-même. Ce n'est pas contre quelqu'un. Vous enfreignez des règles par rapport à vous-même. Et parfois même, ça va au-delà. Vous vous retrouvez aujourd'hui en train de supporter la désobéissance peut-être des grands-parents, où on parle du karma familial, parce qu'il y a eu une désobéissance des règles de la nature par le passé, et certaines personnes portent encore ce karma-là aujourd'hui, en sorte qu'on parle de blocage et ainsi de suite, Donc, nous devons comprendre que pour avancer de façon libre, il faut juste être obéissant. Et cette obéissance-là nous élève, nous rend humbles devant toutes les autorités, devant notre hiérarchie. On ne saurait avoir des avantages d'un supérieur de qui on désobéit les ordres. On ne saurait avoir des avantages d'un parent de qui on désobéit tout le temps. Et c'est la même chose avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la même chose. Lorsque vous désobéissez à Allah et vous attendez sa bénédiction, vous voyez, il y a des choses qui, quelque chose qui cloche quelque part. Mais de mes très chers frères et sœurs, il ne suffit pas d'aller passer le temps dans les mosquées ou dans les églises pour dire que non, on a obéi. Non. C'est pas comme Isa alayhi salam nous disait dans Injil, que ce n'est pas toutes les personnes qui disent « Seigneur, Seigneur » qui vont au paradis, mais sauf ceux-là qui font la volonté, du Très-Haut. Donc, si vous comprenez cela et que vous comprenez que la désobéissance n'est pas vis-à-vis de quelqu'un, n'est pas vis-à-vis du parent, n'est pas vis-à-vis d'Allah, mais vis-à-vis de vous-même, je pense que vous allez fournir des efforts, chacun de nous va fournir des efforts pour obéir à lui-même et obéir aux autres. Et Allah va descendre sa miséricorde sur toutes les actions qu'il va mener. Et nous soyons tous élevés. Qu'Allah nous facilite tout, nous accorde beaucoup de miséricorde, beaucoup de force et beaucoup de grâce à cause de l'obéissance que nous allons commencer à mettre sur pied. Qu'Allah fasse que nous puissions nous retrouver vendredi prochain sur cette même chaîne nationale, la Sierra TV, dans cette émission Cameroun Feeling. À vendredi prochain, Inch'Allah. Écoute mon enfant, Dieu seul sait ce qu'il peut arriver. C'est pour cela qu'il faut toujours dire Inch'Allah, Inch'Allah, si Dieu le veut. Inch'Allah, Inch'Allah, God willing. Inch'Allah, Inch'Allah, si Dieu le veut. Inch'Allah, Inch'Allah, God willing. Si Dieu le veut.
Dieu a dit dans le Coran, ne dis jamais à propos d'une chose, je la ferai sûrement demain sans ajouter Inch'Allah. Invoque ton Seigneur quand tu oublies et dis, je souhaite que mon Seigneur me guide et me mène près de ce qui est correct. Plateau de Cameroun à Philly, on espère que vous allez bien. Allez, on va dire rapidement bonjour à tous ces jeunes soldats qui poursuivent leur formation au centre d'entraînement et d'aguerrissement de Motcheboum. C'est à l'est du Cameroun, c'est un petit village situé à l'est du Cameroun. Et c'est un petit village qu'on vous invite à découvrir à l'instant grâce à notre guide du jour. Et on dort de CRTV Est. Motcheboum est un village de l'arrondissement de Doumé dans le département du Ognon, région de l'Est Cameroun. C'est un village qui abrite la chaufferie de deuxième degré du groupement Makarout, au-dessus duquel trône Sa Majesté Bienvenue Nsana Kamanda. Le groupement Makarout comprend 12 villages, donc 12 chaufferies de troisième degré. Sur le plan de la population, on peut compter entre 3 000 à 4 000 âmes dans mon groupement. Et mes notables constitutionnels sont les chefs de troisième degré. Nos populations font beaucoup l'agriculture, surtout sur le plan des plantains, du macabo et du maïs. Et évidemment, pour le groupement, je suis le quatrième chef de groupement. Le groupement a été créé par Oulem Onkwan Siméon, notre grand-père. Et son fils, Mabaye, c'est en 49, Mabaye prend les rênes du groupement. De 49 en 97, soit plus de 40 ans de règne. Quand même en 97, il lègue le groupement à son frère cadet, Kamanda Pascal, qui était retraité, c'était un substitut principal. Et Kamanda Pascal meurt en 2018. Et c'est en 2018 que moi qui suis son fils aîné, je prends les reins le 1er novembre 2018 à ce jour. C'est ce village qui a vu naître un héros national, celui-là qui a assuré la transition et organisé l'élection présidentielle qui a fait du candidat Amadou Ahidjo le premier président du Cameroun. Jean-Baptiste Mabaye, qui est né dans ce village en 1909, a fait ses études primaires et a obtenu son CEP à l'âge de 15 ans. Est allé à l'école supérieure de Yaoundé. Il sortira nanti et va continuer ses études à Bongo. Il va rencontrer de nombreux Camerounais tels que le président Amadou Ahidjo. De retour de là-bas, il va faire le concours des interprètes qu'il va réussir avec brio et sera célébré avec faste dans toute la région de l'Est. Avec la naissance de l'UPC le 10 avril 1948 chez Sierra Douara, Mabaye va militer dans le BDC et puis dans le PDC. Et à partir de 1952, va représenter la région de l'Est, plus précisément le département du Oyon, dans l'ALCAM, Assemblée territoriale du Cameroun. Il va remplacer Efoudouzon. De 1952 à 1956, Mabaye occupe ce prestigieux poste. Et lorsqu'on commence à mettre sur pied les assemblées territoriales du Cameroun, assemblées législatives, Mabaye va remplacer Kemajou en 1959 pour devenir le président de l'ALCAM et va assurer la transition de la République du Cameroun du 1er janvier au 16 mai 1960. C'est lui qui organise les élections de la période transitoire 1er janvier 1960 après le départ des Français du Cameroun.
Alors, c'est lui qui dirige la commission de rédaction des textes de l'armée camerounaise. Chose qui ne surprend personne, qu'il est nommé le tout premier ministre des forces armées du Cameroun. Les jeunes du groupement Makarout, regroupés en comité de développement, ont rendu un hommage historique à cet homme précurseur des valeurs humaines, du vivre ensemble et de la paix au Cameroun. Je voudrais féliciter l'association Kondjongkok. Oui, qui a eu cette idée lumineuse d'édifier cette stèle pour Jean-Baptiste Mabaya, qui est une figure emblématique dans notre région de l'Est. Nous étions encore très jeunes, je ne peux pas dire vraiment petits, mais ce que je sais, pour avoir grandi ici au village, lorsque nous étions tout petits, nous avions une chanson en l'honneur de Amadou Ahidjo et Jean-Baptiste Mabaya. C'est pour dire que nous qui avons grandi ici, connaissions deux personnes au Cameroun, Amadou Ahidjo et Jean-Baptiste Mabaya. Et on chantait à cette époque, Ahidjo, Ahidjo, Oben me bagle diagoué, Mpilouche Fafkwong. Mabaya, Mabaya, Oben me bagle diagoué, Mpilouche Fafkwong. C'était un peu l'éternité à leur poste de responsabilité, jusqu'à la vieillesse extrême. Les jeunes ici ont manifesté leur reconnaissance en rénovant entièrement le caveau familial et en érigeant une stèle de plus de 5 mètres de hauteur en forme de pyramide à 4 faces au-dessus de laquelle se dresse fièrement un coq africain robuste qui symbolise l'éveil de conscience non seulement des fils de Motcheboum mais aussi de l'Est tout entier. Un éveil de conscience d'abord au sein de la communauté Makarout, ensuite un éveil de conscience au sein de l'opinion nationale international pour montrer que dans la forêt de l'Est Cameroun, n'est-ce pas, et dans la perspective de l'indépendance du Cameroun, un fils de l'Est, un fils du groupement Makarout a joué un rôle central, un rôle important, un rôle primordial dans le processus d'indépendance du Cameroun. Un élan de solidarité qui augure des lendemains meilleurs pour le développement du groupement Makarout et plus précisément du village Motcheboum. Merci à vous, Elie Omer Ando, pour cette carte postale de Motcheboum. On espère que vous allez bien de ce côté. En tout cas, nous, on va super, super bien sur Cameroun Feeling. Nous allons continuer à vous faire découvrir les merveilles et aussi ces visages qui participent au développement du Cameroun. Nous allons vous inviter surtout à assister tout de suite à l'intronisation du chef traditionnel de Mengeme. Là, nous sommes au sud du Cameroun, le compte-rendu de Merveille Le Bogo. Sa Majesté Sylvestre Amougou Messi fils, du haut de ses 48 ans, est désormais installé dans cette chefferie située au cœur de la ville de Mengeme. C'est avec un sourire et une humilité à nul autre pareil que le nouveau chef de troisième degré s'est adressé pour la première fois à ses administrés qui reconnaissent en lui les valeurs d'un homme intègre, loyal et prospère. Le chef doit prôner pour la paix, la tranquillité. Le chef, aussi petit qu'il soit, est à cet instant aussi vieux parce qu'il a investi des pouvoirs traditionnels. Il a investi des pouvoirs mystiques. Ça veut dire qu'aussi jeune que nous le voyons là, il est vieux, jeune physiquement, mais sous un autre aspect que nous n'avons pas pu dévoiler lorsque nous sommes allés l'installer à l'intérieur, il est pourvu, il est armé, il est chargé de toute l'autorité mystique pour que sa jeunesse se transforme en leader. Et je demande au Père éternel de nous donner la sagesse, l'intelligence et la force nécessaires pour mener à bien cette tâche. Sa Majesté Sylvestre Amougou Messi fils succède ainsi à son père qui aura régné pendant 33 ans. Il a pu compter sur la confiance du cercle des décideurs.
un moment grandiose et historique, rehaussé par la présence des invités venus de la ville de Limbé, des autorités administratives, religieuses et traditionnelles. J'ai réitéré au chef d'œuvre pour la paix, afin de réunir les filles et les fils de Mengume autour d'un seul objectif, atteindre le développement que les populations attendent. Ce village a beaucoup de challenges. Nous sommes situés dans un carrefour qui donne à des embranchements très importants. Avec sa population qui est diversifiée, nous devons de cultiver d'abord le vivre ensemble pour pouvoir avancer et développer ensemble ce village. J'ai beaucoup d'ambition pour ce village et je sais avec l'aide de Dieu et celle de mes collaborateurs, les élites intérieures et extérieures, que ce village, d'ici 5 ans, je peux donner un challenge, il ne sera plus le même. Au regard de la grande population de cette contrée, le nouveau chef a du pain sur la planche. Longue vie au chef. Allez, bon retour donc sur le plateau de Cameroun Feeling. Je précise que nous sommes le 18 août 2023. La journée, la fête à souhaiter Hélène Eleanor. Et Dieu seul sait que nous en avons plein au cœur même de l'Office de radiodiffusion de la CRTV. Je vais commencer par Hélène Owona. Bonjour, bonne fête à vous. On a Madame Hélène Yomkil. On a également Eleanor Bisson. Donc, si vous connaissez d'autres personnes qui portent ces deux magnifiques prénoms, n'hésitez pas à nous envoyer un message. On se fera le plaisir de leur dire bonjour. Et sur Cameroun Feeling. Alors, je vous invite à présent à entrer dans le ventre de l'oiseau. Nous allons aller du côté de Fribourg, en Suisse. Donc, il faut déjà noter bien ce rendez-vous. Ce sera du 7 au 10 septembre prochain, la 5e édition du Festival des Traditions Africaines. Alors, celle qui est derrière ce projet revêt plusieurs casquettes. Elle s'appelle déjà Chef Mélanie Choro. Ça fait 20 ans qu'elle vit du côté de la Suisse. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous allez bien? Oui, je vais bien parce que je suis sur la terre de mes ancêtres. Donc, du coup, je me dois de m'aménager et d'aller bien au mieux. Ça se passe comment? Vous êtes là depuis combien de temps? Je suis là depuis 3-4 jours. Mm-hmm. Mais ça court dans tous les sens. Parce que voilà, je sors d'un festival qui a eu lieu du 3, du 3, du 2 au 6 août à la Place de l'Europe en Suisse à Lausanne, qui était vraiment intense. D'accord. Et là, il fallait du coup courir pour le Cameroun. Et là, je dois repartir parce qu'il y a un autre festival justement que je prépare à distance. Tout à fait. Donc, même là, je ne suis pas posée, je ne suis pas en vacances. Je suis là, mais je ne suis pas en vacances. Vous devez courir, il faut saluer la famille. Saluer la famille. Il faut faire les courses aussi. À des éventuelles remises des dons dans les orphelinats, il faut tout organiser. En fait, c'est pas de repos, en fait. Merci. J'en ai besoin. Le choisi, c'est le choisi. Oui, aussi. Alors, vous êtes multitâche, écrivaine, motivatrice des single moms, aide infirmière, restauratrice également. Où est-ce que vous puisez toute cette énergie pour être partout à la fois, si je puis me permettre? Pour dire vrai, je pense que c'est l'Esprit Saint qui me donne cette force et cette énergie. Parce que souvent, il m'arrive moi-même de finir la journée et de sursauter pour demander si c'est moi qui avais fait tout ce qui était là. Oui, parce que souvent, je ne me retrouve pas Mais moi-même. Ça demande certainement une très bonne organisation. Oui, ça demande une très bonne organisation. Je veux dire, à côté, je suis aide-infirmière. J'ai des journées, par exemple, dans les hôpitaux de 12 heures. Parce que généralement, c'est des journées continues comme ça, en 12 heures, de 7h à 19h30. D'accord. Après, je ne prends pas les missions de travail tout le temps. Parce que à côté de tout le stress que je porte dans les soins, je le dépose en cuisine parce que c'est une passion, c'est un don. C'est, voilà, donc j'essaye de me perdre un peu dans la cuisine. Et à côté de ça, je dois encourager des single moms, les mamans célibataires monoparentales, qui ont besoin d'être encouragées, qui sont dans le découragement de se dire parce que je suis maman célibataire, je ne peux pas. Je dis non. Je suis une maman célibataire, je sais ce que c'est, je peux, et il faut y croire, et si je n'y crois pas, il n'y a personne qui croira en moi. Bon, ça c'est... Oui. Je dois... Alors, ça c'est juste une parenthèse. Les hommes qui exigent les tests de paternité là pour assurer la rentrée scolaire, c'est sur vous. Il ne faut pas faire ça, ce n'est pas gentil. Ça c'est sur ce problème. Bon, c'est on simple. Va...
On va donc venir à ce qui vous emmène déjà. Le cri de l'espoir, son idée à la base, c'est... Le cri de l'espoir est une association à but non lucratif qui vient en aide aux enfants non scolarisés avec des déficits mentaux ou physiques, venir en aide aux démunis ou encore voir des mamans célibataires, en fait, là où on peut agir. D'accord. En fait, dans ceux qui sont démunis, dans ceux qui sont... Voilà. C'est un peu ça le but du cri de l'espoir, c'est de redonner de l'espoir à ce cri. Ça veut dire si on trouve un cri qui est en train de pleurer, lui redonner cet espoir de joie de vivre. Mmh. En fait, c'est un peu ça, c'est calmer un peu. Et ça fait, vous existez depuis 1998, si je ne me trompe. Non, 2018. Pardon. Voilà. Donc depuis 2018, on a depuis 2017 même, on est venu, on a fait des dons ici pour des écoles en zone rurale. D'accord. Parce qu'en fait, c'était ça l'objectif. Pourquoi ? Parce que on voit au jour d'aujourd'hui toutes les associations qui sont beaucoup vues, les orphelinats en fait, mm-hmm. qui sont vues, c'est ceux qui sont dans la ville. Oui, oui. Mais la campagne est totalement oubliée. Abandonnée. Ils sont délaissés. Dans le besoin. Mm-hmm. Donc c'est pour ça que moi j'ai dit, moi je fuis la ville, je vais dans le derrière. Où on ne voit rien, mais je vais quand même agir là-bas et puis j'accompagne un peu les enfants. Merci infiniment pour ce combat. Alors on va parler donc de votre festival, le festival des traditions africaines. Oui. Donc je rappelle les dates du 7 au 10 septembre prochain. Déjà, quelle idée anime ce festival et quelles seront les grandes innovations de cette édition? Alors, quelle est l'idée qui anime? Nous sommes en Europe. Et en Europe, nous perdons un peu beaucoup de points d'angle qui sont nos cultures. Mmh. Et au travers du Festival des Traditions Africaines, le FESRA, l'idée est de rassembler les originalités de l'Afrique, les talents de l'Afrique, les connaissances de l'Afrique et d'améliorer encore, de créer encore la créativité. D'accord. Et puis de pouvoir accueillir maintenant ceux qui sont ici en Europe, sur notre plateforme, pour dire voilà, on peut faire un échange. Peut-être vous avez là-bas ce que nous n'avons pas ici, et nous ici nous avons quelque chose que vous n'avez pas, alors faire cette plateforme d'échange et surtout dans le pays qui nous accueille. D'accord. Donc c'est un peu ça la vision. Donc on discute. On expose? Oui. Est-ce que ce sont uniquement vos produits qu'on expose ou on... C'est l'Afrique. Qui expose? Afrique et amis sympathisants de l'Afrique. Quels sont les critères à remplir généralement? Généralement, on a affaire aux associations. D'accord. On a affaire aux entrepreneurs qui viennent exposer, qui font dans la gastro, qui font dans l'art, qui font dans la culture, qui font des conférences. On en a. Des échanges, en fait, B2B. Mm-hmm. Donc, on a un peu une certaine variance et tout. Donc, c'est un peu ça. Alors, si vous êtes venu, c'est pour inviter les Camerounais qui vivent peut-être ici et qui ont les moyens de s'y rendre. Oui. Et surtout le visa pour y aller. Surtout. À vous rejoindre donc du 7 au 10 septembre prochain. Peut-être les contacts. Les contacts. Bon. Ou on fait comment pour vous joindre Pour nous s'inscrire joindre, déjà, vous pouvez aller à la page Facebook FESRA. D'accord. Il y a le site web FESRA.com. FESRA s'écrit FESTTRAA. Mm-hmm. Pour ne pas se tromper. Voilà, donc on va à la page web FESRA. Il y a déjà toutes les images des festivals passés. D'accord. Il y a le comment obtenir un stand, Donc, il y a toutes Les informations. Les informations là-bas. En tout cas, merci infiniment à vous d'être passé. On sait que vous êtes nombreux à nous regarder du côté de la Suisse, mais pas seulement, un peu partout en Europe, en Asie, en Afrique aussi, même aux États-Unis. Donc, vous voulez peut-être dire bonjour à quelques compatriotes? Alors, ici, je voudrais déjà dire bonjour à toute la Suisse entière. Je voudrais dire bonjour à toute la Suisse entière. Ah. Je voudrais dire bonjour particulier à ma fille aînée, mon trésor, qui m'accompagne dans tout, et Témé Anaël Karisloane. Je voudrais dire bonjour à mon président d'association, Monsieur Zoa Amogou André Stéphane, qui m'accompagne dans tout. Ah. Je voudrais dire bonjour à ma mère, qui est mon pilier, qui est ma force, qui me booste, qui a le chapelet tout le temps pour dire, ma fille, vas-y, tu vas arriver. Madame Étémé Pauline, qui bientôt fête ses 70 ans, le 26. Merci. Je souhaite déjà un joyeux anniversaire par anticipation. Merci. Bon, et à là. Vous aussi. Ah, merci beaucoup. Voilà.
Parce qu'à un moment, j'ai cru que c'était la liste des bavards, non, quoi. Merci infiniment. Voilà. Bonjour à Aimé PC qui nous regarde aussi, oui, oui, du côté de la Suisse. Un fidèle téléspectateur de Cameroun Feeling. Alors nous, nous avons initié ici un appel à don parce que voilà, on s'est dit qu'il fallait également encourager, accompagner les orphelins. Donc on serait heureux de vous compter aussi parmi nous, hein, oui, parmi les donateurs. Hein? Alors, je rappelle le numéro de téléphone, c'est le 690-66-02-91, 690-66-02-91. Merci pour les personnes qui ont déjà apporté leur contribution. Il y a déjà cette dame qui a déposé un paquet à un autre endroit, à la guérite de la CRTV Télé à Mbalade, et qui a tenu à garder l'anonymat. Merci infiniment à vous et que Dieu vous bénisse abondamment. Allez, on va essayer de vous présenter, de vous parler à présent des différentes catégories de permis de conduire. Oui, et c'est Sony Mohamed Goulouré qui va tout de suite nous les présenter. Aujourd'hui, nous allons, n'est-ce pas, vous entretenir sur les différentes catégories du permis de conduire. Ce permis de conduire qui a déjà été défini comme ce document, n'est-ce pas, qui est délivré par les services de transport et qui vous donne droit à la conduite d'un véhicule, bien sûr, correspondant à la catégorie de permis de conduire, à la catégorie visée sur votre permis de conduire. Il faut dire que les différentes catégories de permis de conduire sont équivalentes aux différentes catégories de véhicules que nous avons. Déjà, nous commençons par le permis de conduire de catégorie A, n'est-ce pas, qui est celui-là réservé à la conduite des deux roues ou des tricycles ou quadricycles à moteur. Maintenant, le permis de conduire de catégorie B, n'est-ce pas, qui est ce qu'on appelle la base, n'est-ce pas, du permis de conduire, alors le permis le plus prisé par tout le monde. C'est ce permis qui permet de conduire des véhicules, n'est-ce pas, de moins de 10 places assises, ou encore des véhicules de transport de marchandises dont le poids total en charge n'excède pas 3,5 tonnes. Ça, c'est le permis de conduire de catégorie B. Et je voudrais revenir un peu pour dire que le permis de conduire de catégorie A s'obtient à partir de 16 ans, alors que celui de catégorie B s'obtient à partir de 18 ans. Après la catégorie B, nous avons le permis de conduire de catégorie C. Celui-ci est réservé pour les véhicules de transport de marchandises dont le poids total est supérieur à 3,5 tonnes. L'âge minimum pour l'avoir, c'est 20 ans. Et avoir un an d'expérience de conduite avec le permis de conduire de catégorie B. La catégorie D est réservée pour la conduite des véhicules de transport en commun interurbain ou bien dont le nombre de places est supérieur à 9. La condition pour avoir ce permis de conduire de catégorie D, il faut d'abord avoir 21 ans et ensuite avoir un an d'expérience de conduite avec le permis de conduire de catégorie C. Après la catégorie D, nous avons la catégorie E. La catégorie E, c'est cette catégorie qui permet de tracter une remorque de plus de 750 kg. Que ce soit tracter une remorque avec une petite voiture, avec un camion ou avec un véhicule de transport en commun de plus de 9 places, vous devez avoir le permis de conduire de catégorie E. Et alors en ce moment, dès que vous passez une seule fois le permis de conduire de catégorie E, on va ajouter C, E et ensuite D, E. Donc les gens n'auront pas à faire C, E et après aller faire D, E. On compose E une seule fois et on les adjoint aux catégories qui peuvent vous permettre de tracter une remorque de plus de 750 kg. La condition pour avoir le permis de catégorie E, il faut juste avoir le permis de catégorie C. Il n'y a pas de durée, de même qu'il n'y a pas d'âge. Donc dès que vous avez votre permis de catégorie C, vous pouvez directement avoir un permis de conduire de catégorie E. Mais je voudrais préciser ceci. Chaque catégorie de permis de conduire se compose séparément. Je dis bien chaque catégorie de permis de conduire. Si j'ai le permis A et que je vais obtenir le permis B, je dois rentrer dans une auto-école agréée par le ministère des Transports, m'inscrire afin qu'il me présente à cet examen de catégorie B. Pareil, si je veux passer la catégorie C, je rentre encore m'inscrire dans une auto-école. Donc, il faut retirer de la tête de nos citoyens le fait qu'on disait quand on a le permis B, on va juste au bureau des transports et puis
on vous demande une autre catégorie, ce qui aujourd'hui n'est plus vrai. Toutes les catégories de permis de conduire se composent à l'examen. Et évidemment, avec ce que je viens de dire, on comprend qu'il n'est pas possible, n'est-ce pas, de passer deux catégories en une seule session d'examen. Ça, c'est impossible dans la réglementation camerounaise. Donc, vous ne pouvez plus aujourd'hui passer deux catégories en une seule session d'examen. Ce n'est plus possible. Vous devez attendre de passer la catégorie B, attendre le temps nécessaire afin de passer la catégorie C, D, ainsi de suite. Donc, voilà, chers téléspectateurs, pour ce qui est des différentes catégories de permis de conduire. Merci, Monsieur Tézan, moniteur installé à Yaoundé. Alors, je rappelle à votre suite que la formation à l'obtention du permis B est désormais passée à 250 000 francs CFA contre 150 000 francs CFA par le passé. La décision avait été actée au terme de l'Assemblée générale des promoteurs d'auto-école de la région du centre. C'était bien le 22 décembre 2022 à Yaoundé. Et on ne cessera jamais de vous dire, soyez prudents, évitez de prendre de l'alcool au volant, pensez à ces personnes que vous transportez au quotidien, pensez également à vos familles, vous qui conduisez ces différentes personnes. Si vous n'êtes plus là, ces personnes, vos familles vont en souffrir. Donc pensez à vos familles chaque fois que vous prenez le volant, c'est aussi important. Pense pas seulement à soi. Allez, on va voir comment la dot se passe en pays étonne. Mama Kiri, on regarde, t'as là le taximan. Bon, bingato, n'ingwane, ton et ton brune est très mien voir valu. Je suis donc venu avec mon petit chaleur à Ina Lugnye. Soyez les bienvenus. Ma femme a préparé le coq avec London. Aïe, sans façon, merci beaucoup. Bimani dit belle des sardines à la bouille pendant le voyage, donc ça va. Ah, ok. Ngama, papa, apporte la liste là. Papa Yoni, mais tu me condamnes. Dis, mon voyage machine, même ma mine tombe, même yang le borokova. Dégage là-bas, au meuve. Voilà ton égal qui vient demander la main de ta soeur. Au bova et mourin kaino et bitruite n'en pas à ma barre. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Mais, dis donc, ça c'est le budget de la ligne 94 ou c'est toujours la dot comme ça? Ah, elle n'est qu'à l'arrivée, à Soudje. Cette porte jumeau. Oui, oui, les porcs longs châssis avec les grosses narines et sans graisse. Vous leur ferez écouter de la musique classique pour que leur peau soit tendre et douce. Hadi Gendaringoui. Cabre Mouombe est de surcroît enceinte. Un assur, Isandomoué Ibori. Tu veux faire quoi avec 12 chèvres enceintes? Tu me poses des questions, pourquoi? Mon ami, explique-toi vite, sinon on va gommer ta partie. Et John Mangam, ça a nulé Nyamou Wulmela pour qu'elle puisse avoir le thé métissé et le poil au corps que tu vois là. C'est toi qui avais mal au rein. Ah, c'est pour toi là-bas. Mais y a Tchoubiom. Un an de canal SAT. Dorsel, c'est quoi? Je mène un exemple s'il y a un écran de 65 pouces à une dot. Ngama, tu veux faire quoi avec un écran plat de 65 pouces? S'il vous plaît. Barrez-moi ça sur la liste. Nous, on ne connaît pas d'Orsel ici-là. Mes familles me cantent, me wombe. Un hectare de terrain qui tremble en fougade. De... deux téléphones iPhone 14 Pro Max. Une enveloppe de 3 millions. C'est pour sa mère et moi, pour le bon travail. Bon, et Bibi, il est remplacé. Moi, ne se m'inga dépenser du primaire jusqu'à la licence. Babala. À Kara maternelle, à Kapawandaba. Chaleur, on s'en va. Les hommes lois vont venir la doter n'importe quoi. Vous ne voulez plus une fille étonne value. Les poils, c'est quoi? Vous pouvez t'amener me voir, même Shakir ou ça. Dis-toi en chaleur, lève-toi en part. Ne voulez plus une fille étonne, c'est quoi, Claire? Évolue. Et puis, un terrain, un hectare de terrain en plein Vogada et qui puisse être attitré. Les parents là, au gros. Faut prendre ce qu'on vous donne. Voilà, soyez pas trop exigeants. Parce qu'après, vous vous retrouvez avec des filles qui ont dépassé la trentaine, la quarantaine à la maison avec les enfants. Après un moment, tous se disputent le plat, quoi, à midi. Et ça, je suis sûre que ça vous donne les maux de tête. Donc, revoyez un peu
vos ambitions à la baisse. En tout cas, on espère que vous avez aimé cette vidéo drôle. Merci à Marie-Cécile et vous qui nous l'a, voilà, qui l'a sélectionné ce matin juste pour vous. Allez, on va se remettre sur les circuits, hein, sur la route, mais cette fois-ci pour vous parler des sports automobiles. Alors, je vous propose de faire connaissance avec l'association des pratiquants des sports automobiles, le président. Ils ont aussi un président là-bas, c'est William Chinda. Bonjour. Bonjour madame. Hein? Bonjour madame. C'est quoi, hein? Bonjour. Ça va. Ça va. Je vous dérange. Vous allez bien? Oui, très bien. Qu'est-ce que vous avez fait hier, par exemple? Hier, j'étais en Marissa pour le plateau de Camdis. Iki, les Wifor. Oui. D'accord, les Wifor. Et après, vous avez décidé de venir ici? Oui, exactement. À quel dessein est-ce que vous avez créé cette association? Commencez par là. Merci, madame, pour la question. J'ai créé cette association. Donc, d'abord, je vous dis, d'abord en exclusivité, c'est le président de la République, premier sportif camerounais. Président de la République du Cameroun, son excellent Monsieur Pobia, qui m'inspire parce qu'il a dit oser, oui, en 2011, tout à fait, à la jeunesse d'oser, de créer et d'innover. C'est pourquoi j'ai décidé de dire, mais je suis passionné d'une discipline. Pourquoi ne pas créer une discipline que je peux mettre en avant, en avant, le Cameroun et découvrir ce sport. C'est pour ça que j'ai créé ce qu'on appelle l'association des pratiquants des sports automobiles, agréé par le gouvernement en 2014. D'accord. Dont le but est de promouvoir et de vulgariser les sports automobiles au Cameroun. Détecter les talents. Qu'entendez-vous par sport automobile? Sport automobile, ça veut dire c'est le sport qui se pratique avec des véhicules. D'accord. Donc même si je prends le taxi, là, taxi jaune de M. Tala, ça peut faire l'affaire, ça non? Ça peut faire l'affaire, mais il faudrait que ça soit en voiture touriste, qu'il n'y a pas de couleur de taxi. Ok. Donc vous voulez exclure les chauffeurs de taxi, là. Ah, ils ça, vous c'est... regardent ce matin, non, hein, ils ne sont pas contents. Pas les chauffeurs de taxi. Si toute personne qui est passionnée de sport peut venir participer, parce que si on met derrière une voiture de couleur, de taxi, qui porte les gens, ça ne va pas donner. Il faudrait une couleur qu'il n'y a pas. Il faudrait. Neutre, une couleur neutre. D'accord, oui. Et quels sont les différents types de courses? Actuellement, au Cameroun, comme je vous ai dit, on a créé quatre disciplines qui vont permettre aux Camerounais de découvrir le sport automobile en toute sécurité. Vous savez, le sport automobile mondial. Donc, vous avez dit la Formule 1 qui est la catégorie 1 du sport automobile que vous voyez les Lewis Hamilton. Il y a aussi le WRC que vous voyez les Sébastien Vettel, le rallye plutôt, qu'on voit les Sébastien Loeb, Sébastien Ogier. Maintenant, au Cameroun, maintenant, j'ai pu créer quelques disciplines qui vont permettre au Cameroun de découvrir ce sport en toute sécurité. Il y a par exemple le rallye navigation. D'accord. C'est un rallye à parcours, c'est que vous êtes deux dans le véhicule. Et on vous envoie sur un itinéraire d'un village, chercher l'itinéraire. Le principe n'est pas la vitesse. Ah, d'accord. C'est un rallye navigation. Oui, maintenant, le principe, celui qui arrive tardivement à la pénalité, celui qui arrive en avance à la pénalité, il faut être dans le temps imparti. Et c'est combien de temps à peu près? Ça peut prendre, ça dépend du parcours. Parce que nous partons, même deux semaines avant, on part sur l'itinéraire, on cherche, on calcule. D'accord. C'est un rallye navigation. Il y a maintenant un slalom moto. C'est une preuve d'adresse et d'immobilité qu'on mettait des marées freinage. On met les virages qu'on crée sur le circuit. Il faut slalomer tout le circuit en esquivant tous les cônes. D'accord. Donc, il faut esquiver. Le principe là-bas n'est pas la vitesse. Vous partez. Chaque voiture, Nayo. On lance chaque voiture. Chaque voiture part à sa place. Ok. Donc maintenant, il faut éviter tous les obstacles qu'il y a sur le circuit. Si vous touchez, après on compte celui qui a fait moins d'erreurs, parce qu'il y a les barres qu'on appelle les virages, trois barres, il y a les cônes. Il faut esquiver tous les virages là. Ah, d'accord. Pour arriver, et on voit celui qui a fait moins d'erreurs et le temps qu'il a mis, et il est champion. Il y a dans le drift que nous appelons glissade. On fait bloquer la roue de l'arrière du vélo. On verse l'eau. Non, on ne verse pas l'eau. Mais si on verse l'eau, c'est pour que ça adhère. Okay. Et quand il pleut, maintenant, ça c'est pour on glisse. Il y a quelques images là. Et après, oui, qui défile pendant que vous parlez. Dans l'e-sport automobile. L'e-sport automobile, c'est le sport de jeux vidéo. Ça va permettre à toute personne qui n'a pas de permis. D'accord. Pour les jeunes passionnés, à partir de 10 ans en montant, vous êtes assis devant un écran, vous avez toutes les commodités qui comporte une voiture de course moderne, mais avec un écran virtuel devant vous, vous conduisez, on appelle ça l'e-sport, dans le sport virtuel. D'accord, voilà, grosso modo. Ce qu'on a pu apporter. D'accord. Pour permettre au Cameroun de découvrir en toute sécurité, vous savez, dans le sport mondial, il y a beaucoup de vitesse. Ok, super. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour pratiquer la course automobile? Pour pratiquer la course automobile au Cameroun, il faut avoir déjà un permis de conduire. Donc savoir conduire, ça c'est passer pour le rallye.
poids lourds ou bien... Non, les petits véhicules. Oh, d'accord. C'est les voitures de tourisme, okay. Les voitures de série. Mm-hmm. Donc, pour participer, il faut avoir un permis de conduire et savoir conduire parce qu'il y a des gens qui ont le permis ne savent pas conduire. Mm-hmm. Donc, c'est vrai quand même. Il faut savoir conduire. Et maintenant, c'est pour la commission du rallye. Il y a maintenant la personne qu'on appelle le copilote. Mm. Le copilote n'a pas besoin d'avoir un permis de conduire. D'accord. Le copilote doit venir chez nous, on l'apprend. Comment aller le roi qu'on appelle le carnet d'itinéraire, ça qui permet, mm-hmm. comme je vous disais précédemment, de suivre l'itinéraire. Celui qui guide son, lors du rallye d'aviation, son pilote, que va à gauche, va à droite. Si vous perdez, le temps de vous revenir. Maintenant, il y a maintenant le drift ou le slalom. Il faut, c'est une personne par véhicule. D'accord. Donc, il faut avoir un permis. Ok. Même toute personne, même les femmes peuvent participer. Mon père, laisse-moi ce niveau. Non, les femmes, j'ai ma voiture là, je n'arrive pas à la démarrer depuis non, peut-être un an. Donc, il faut me laisser en route. Non, un slalom n'est pas une course. Un jour, très bien, il ne faut pas compter sur moi. Oui, non, il n'y a pas de souci, mais on vous inviterait le moins venu pour venir voir. D'accord. Vous apprécier parce qu'il y a une compétition en perspective. Ok, la prochaine activité, ce sera quand exactement? La prochaine activité, on n'a pas encore calé, on n'a pas encore eu tous les autorisations. Ah d'accord, vous voulez juste... C'est le slalom automobile. D'accord, vous voulez déjà vous faire connaître. Oui, exactement, vulgariser. Le plus, c'est de vulgariser le sport automobile, cette nouvelle discipline auprès du public. D'accord. Pour que la population camerounaise sache qu'il y a une nouvelle discipline qui est au Cameroun, mm-hmm. qui concerne les sports automobiles. Merci infiniment. Ah, il faut toujours dire à ceux qui pratiquent ce sport-là que... Il faut être prudent, hein. C'est important, avant de prendre le volant. Je vous interpelle, nous ne faisons pas que dans le sport automobile, nous faisons aussi ce qu'on appelle la mobilité automobile. D'accord. Ça veut dire, dans le sport automobile, on va utiliser le sport automobile pour sensibiliser les usagers par rapport à la sécurité routière, par rapport à la prévention. C'est notre, parce que notre fédération internationale qu'on appelle la FIA, mm-hmm. est l'organe qui gère le sport automobile mondial et l'automobile mondial. D'accord. Avec statut concession auprès de nous. Donc nous allons utiliser le sport automobile lors de la compétition pour sensibiliser la jeunesse, les automobilistes. Okay. Merci. Pour permettre à l'État de continuer à faire le travail pour que les routes soient plus sûres et sensibilisées auprès du public aussi. Ah oui, merci infiniment à William Tinda. Oui, madame. Merci, oui. Vous allez passer le numéro de téléphone. Oui, d'accord, merci, madame. Oui. Et pour tous ceux qui veulent nous contacter, qui sont intéressés par le sport automobile, mm-hmm. vous pouvez aller sur notre page Facebook APSA Sport Automobile ou sur notre site www.apsacamer.com. D'accord. Vous le numéro de téléphone, ce sera 675 91 72 68. Qu'est-ce qui vous arrive? Reprenez alors. Oui, le 675 91 72 68. Merci beaucoup. Et le 693 33 86 69. Merci d'être passé. Merci de m'avoir invité. Merci. À bientôt, non? À bientôt, madame. Uh-huh. Non, mais vous restez là. On va tout de suite prendre la route de l'Est du Cameroun pour aller assister à ces activités de vacances organisées par l'ANAFOOT. Alors, pour les détails, retrouvons notre correspondant de CRTV Est, Baba Issa. En cette période de vacances scolaires à Bertois, les jeunes venus des quatre coins de la région de l'Est mettent à profit la trêve scolaire dans cette école de formation de football. L'ANAFOOT, Académie nationale de football, profite de cette occasion pour occuper les jeunes afin de leur permettre de réaliser leurs rêves dans la performance de cette discipline sportive. Très tôt le matin, au stade du 9 mai de la ville, plusieurs activités sont menées. Le stallon, un exercice consistant à dribbler, le jeu réduit pour la conservation du ballon et le renforcement du souffle et bien d'autres ateliers d'exercices. Nous avons pensé, n'est-ce pas, dans ce cadre, créer une initiative qui est en même temps sport, loisirs, vacances, sur aussi son label, pour permettre aux jeunes de pouvoir s'épanouir, se mouvoir et également une certaine distraction. Également, ça peut permettre à l'avantage de l'ANAFOOT de pouvoir détecter des jeunes talents, ce qui pourra nous aider déjà dans les mois à venir, puisque nous avons souvent nos rentrées scolaires, censément septembre, octobre, lors de la détection, à leur proposer au détecteur pour qu'ils puissent rejoindre le pôle de l'Est. Les jeunes qui prennent part à cette formation sont classés dans différentes catégories. Les poussins moins de 8 ans, les pupilles moins de 9 ans, les benjamins moins de 13 ans. On forme les enfants. On donne le meilleur de nous-mêmes, en fait que les enfants, et on leur donne une bonne éducation, quoi.
on les forme pour qu'ils deviennent les bons footballeurs de demain. Tu poursuis le ballon. Pourquoi tout le monde doit parler vers le ballon? Qu'est-ce qu'on a dit? La passe est où? Regarde, Ibaka. Alors. Après de 2 mois d'entraînement intense, ils se disent déjà prêts pour affronter les prochains tournois Paul prévus du 16 au 19 août 2023 à Yaoundé. L'ANAFOOT représentera aussi au tournoi zonal jeune pour les régions centre, sud et est. Nous préparons le tournoi des pôles. Le tournoi des pôles, c'est le tournoi des différentes régions pour choisir le meilleur. Et nous avons libéré un certain nombre d'enfants qui sont en vacances. Bien sûr, maintenant, l'avenir, c'est quoi? C'est former à l'avenir des bons footballeurs. Nous avons pratiquement 4 jeunes. 2 sont à l'élite tout et 2 sont à l'équipe nationale U17. Donc, un garçon à l'équipe nationale U17 et une fille à l'équipe nationale U17. Cette Académie nationale de football rencontre néanmoins des difficultés. Nous avons pour un départ 15 enfants. Là, c'est vrai que la situation est un peu timide parce que c'est la première fois, c'est la première édition. Déjà, les difficultés sont au niveau de la compréhension. Parce que beaucoup viennent là, ils aiment bien le football, mais ils ne sont pas des footballeurs. Ils aiment bien la chose. Et on s'adapte par rapport à cela. On essaie quand même de faire ce peu. Les apprendre un certain nombre de choses, la conduite, la passe, le dribble, qui sont des éléments fondamentaux déjà pour la base. Profitant de leurs vacances scolaires dans cette école de formation de football, ces jeunes élèves caressent déjà le rêve d'évoluer un jour à l'équipe nationale ou lors des grands clubs de l'Europe et du monde. Je suis venu apprendre le foot parce que je veux apprendre à jouer comme Eto, devenir un grand joueur. Parfois c'est souvent difficile, mais au final on apprend toujours. J'ai choisi le foot parce que c'est un sport qui est génial, qui peut nous permettre d'aller découvrir les autres pays au monde. J'aimerais être une footballeuse professionnelle. J'ai choisi le football parce que comme avant, quand j'étais petite avec moi, mon petit frère joueur, on jouait au football. Grâce à cette formation de l'ANAFOOT qui a pour rôle de détecter les talents, leurs rêves qui pourraient devenir réalité, comme ont été les cas de Aladi Abakar, évoluant au U15 de l'équipe nationale du Cameroun, et Ange Yomo, équipe féminine. Orléa, lait de santé. Vous êtes acteur du développement? La communauté urbaine de Kribi vous invite à vibrer au rythme de la 2e édition du Salon des acteurs économiques et du développement local. Saïdel est une cuve de réflexion pour tous les acteurs qui agissent dans le cadre de la promotion du développement des régions et des villes. Nous travaillons pour un Douala plus compétitif. Encadrer les actions des collectivités territoriales décentralisées. Et une tribune comme celle-ci est la bienvenue. Mais l'initiative. Que le Saïdel a sa place dans le processus de développement de notre pays. Du 21 au 28 octobre 2023 à Kribi, au bord de l'océan Atlantique, sous le thème Performance économique locale pour le développement national. Au programme Carnaval, rencontres économiques, expositions, formation, animation. Pour plus d'informations, contactez le cabinet événementiel Mon Communicateur au 620 23 42 92 ou cliquez sur www.saidel.cl. Saidel, ensemble vers l'émergence. Music Star is back. Are you a music lover? Do you aspire to become an artist?
Do you want to boost your career? Don't wait anymore. Till August 21st, 2023, hurry up and register via the website www.musicstar.com/2023 or WhatsApp number 650-208080. Participate in Music Star. Come and show your talent and win 10 million CFA francs to be shared and create of music. Yes, 10 million CFA francs to be shared. With Music Star, you are the future star. On ne le dira jamais assez. Merci infiniment à tous les annonceurs qui nous font confiance. Si vous avez eu un an de plus aujourd'hui, happy birthday, joyeux anniversaire. On attend le gâteau, ce Cameroun Feeling. Allez, on vous attend donc pour la deuxième partie de Cameroun Feeling. On vous parlera du Summer Camp qui se déroule actuellement à Yaoundé. On vous invitera à prendre part à ce concert qui sera offert par Fleur de Veau. Du côté du club Yannick Noah au quartier Tangolo à Yaoundé le 19 août. Oui, pas mal de belles surprises en tout cas vous attendent au cours de la deuxième partie. Mais en attendant, voici Aïcha Fadilla. Oui, on danse un tout petit peu en attendant le journal de 7h en langue anglaise. Ne zappez pas, hein, on vous attend. Nous sommes tous d'une même nation et même pays. Ensemble nous pouvons aller loin, ensemble nous pouvons plus fort. Ensemble nous pouvons aller loin, ensemble nous pouvons plus fort. Peu importe ta religion, nous sommes tous Camerounais. Peu importe ta région, nous sommes tous Camerounais. Peu importe tes attributs. Foreign workers are called upon to respect labor legislation or face consequences. Employment and Vocational Training Minister Issa Chiruma Bakari sounds the warning during a visit to wood and mining sites in the East region. Two wins in two games. Cameroon's volleyball Lionesses have won their latest game against Nigeria by 3-0. Their next contender is Egypt. They play today at 6 p.m. Good morning. Ladies and gentlemen, you're welcome to join us on this edition of the 7 a.m. newscast. I'm Guy Roger Nana. Preparations ahead of the school's reopening have heightened in Yaoundé, the nation's capital. Classrooms, administrative blocks and campuses as a whole in most cases are under renovation to welcome students and teachers come September 4th in a clean and healthy environment, while parents and students are seen queuing in schools in search for admissions. Larry's Nane Epote went around town to take the pulse of the back-to-school preparations. She pieced together the following report for the news. Government Balingua High School Etugebe, like most schools in Yaoundé, are bracing up in terms of hygiene and sanitation. The school premises have been kept clean. Benches, classrooms and other infrastructure are under renovation. We've made an inventory of all that has to be done, like the blackboards. We have to redo the lawns, keep all the classrooms clean, redo also the computer room. The school is busy with students and parents trying to get admission into various classes. I had my ordinary levels, so I came back for admission into the lower seats. I want to do A5 and everything has been done, so now we are just waiting for the admission process to begin. Unlike public schools that still awaits government decision for the payment of fees, offices of bosses of lay private schools are jam-packed with parents paying tuition fee for their kids. We are just receiving files for now.
we are collecting files so that we don't have so many people jammed here when the minister gives order for parents to start paying school fees. The struggle also remains real in the purchase of other school needs, like bags and other utensils. To this, markets have switched trends to these items as they too look forward to making bricks business. Exactly, Larry's parents are equally doing everything possible to prepare their kids for school regardless of price hikes. Some of them had anticipated the stress and financial demand of getting their children ready for the 2023-2024 school year reported that they started purchasing items as early as 6 months ago. Others, however, are keeping fingers crossed while waiting the month's paycheck in order to finance their purchases. Ladies and gentlemen, we get details in this report done for us by Staff Lady Yoti Kale. Stock taking is inevitable in moments like these. With the 2023-2024 school year less than 3 weeks away, parents are keen on their expenditure. Here, for example, there are three kids to enroll. Given that two of them are entering into new schools, it is a little bit difficult, but as a habit, we always prepare from March, at times from February, and then by August, when we receive the salary payout, we add to it and then we do the purchasing and advance for the first installments of the school fees. Even after months of planning, some moms can't help but feel like there's a lot on their plate, especially when school supplies are costly. We are trying our best, even though things are very tough now. Prices of the books this year has already increased. 80 leaves that we used to buy for 275. Some shops are selling it for 300 francs. To cut cost of back-to-school preparations, other moms and dads opt for their kids to use their old uniforms while they focus on purchasing what's most needed. The school uniforms, they are there. I've bought them. The ones they used last year, they will still use the same ones because they are at least two pairs. We need to buy different textbooks and the books also. So we have not yet done everything. Even though in not-so-easy phase, parents say they do their best to ensure that their children are all set before school resumption. On to this headline story. The Minister of Employment and Vocational Training in Issa Chiruma Bakari has reassured mining and forest exploitation companies in the east of government support, but equally cautioned them to exhibit transparency in the status of their expatriate employees. This was during a working session in Baturi, accompanied by the East Region's Governor Gregoire Mvongo. Gwanmesia Valentine has the complete details from Baturi. The Minister of Employment and Vocational Training, Issa Chiruma Bakari, in his exchanges with entrepreneurs operating in the wood transformation sector during his working visit to the Upper Nyong, called on them to ensure the regularity of their expatriate workers' visa. Failing to doing it, they will be viewed or perceived as in connivance with all the foreigners who are working here and who are reluctant to comply with the provision of the law. Visiting wood transformation companies in Abombang in the company of Joseph Lee, the Minister of Public Service and Administrative Reforms, Minister Chiruma advocated for the total camaronization of all non-essential posts and competence development of the local workforce. We appreciate that he came to meet us for us to discuss together about the new laws and the new legislation that is in place. We really appreciated that the minister asked us to send him our request to open those training schools. Minister Issa Chiruma announced the imminent creation of a professional technology institute in the east, a region blessed with immense natural resources, as a solution to the influx of expatriates. And of course, we bring you back to our central news desk. Land disputes account for 85% of cases brought before the administrative courts and 65% in judicial courts. Official in the Ministry of State Property and Surveys and Land Tenure have stated, though the 1974 law on land tenure governs the use of ownership of land in Cameroon, there continues to be a number of defiant behaviors around
on the legal possession of land that experts say stem from corruption, greed and greed, which must be addressed effectively. Cynthia Sabdala completes the details. The dereliction around land ownership and land certificates has its root cause in corruption and greed, experts say. Based on the 1974 pre-ordinance establishing land tenure, the national domain is essentially made up of all unregistered land, meaning sales are only possible by concession or lease or by registration in cases where the occupation results in a proven development. However, there are loopholes exploited by certain individuals. On est resté dans ce texte-là depuis 1974. We have remained in the text of 1974, text of about 50 years ago, being used as reference today. For example, direct immatriculation, which is today outdated, is still enforced, whereas it was initially created to help those who had developed the land to use the land for a limited period of time. Such land certificates today cause a lot of problems because you find individuals claiming ownership of a forest. As suggestion, experts say land on concession must return to the national domain, then sale priority can be given to the user to buy, while procedures for land acquisition and immatriculation are reviewed and reinforced. We now take you over to the south region of Cameroon. You're watching the 7 a.m. newscast on CRTV and CRTV News. Graduates of the 17th batch of the National Center for Youth and Sports, Senages Kribi, have been exhorted to shun and denounce hate speech as well as promote living together wherever they are called upon to serve. Minister Monuna Fotso of Youth Affairs and Civic Education reached the call during the graduation ceremony of 61 senior youth and action instructors that was in Kribi. Cyril Noazeke has details. Their visibly committed footsteps during the solemn procession into the graduation hall, the smile on their faces and the blue and white costumes spoke volumes of laureates who had received the best of trainings. For 2 years, the 36 senior youth and action instructors and 25 youth and action instructors were drilled on aspects pertaining to their different field of studies. At the graduation ceremony in the Kribi City Council Hall, the Minister of Youth Affairs and Civic Education, Monuna Fotso, reminded the laureates to be duty conscious and serve the nation wherever they are posted. The graduation of this batch of laureates comes when the government is intensifying the campaign against hate speech, and the Ministry of Youth Affairs and Civil Education within the National Civil Education Program through Moral, Civic and Entrepreneurial Rearmament is on the field. Best graduating students, Bitumu Marked, Marco Geraldine and others are ready to give back what they acquired as trainings to fellow Cameroonians. We are going to sensitize the youth on good moral behavior. That is what they ought to do. Graduating in a particular context where moral values are dwindling, the 61 laureates of the 17th batch were reminded to shun hate speech, promote living together and make good use of social media, confirming their baptismal name, roughly translated as Patriotic E-Volunteer for a Cameroon without hate speech. On to other news. In a world where appearance is often equated with success, the obsession with artificial beauty by young women and girls have reached the peak. Breast lifting, tattoo, piercings and artificial eyelashes are some of the beauty trends today. Juliana Befolo spoke to some medics who say there is a darker risk and potential health consequences that come with these body enhancements. Her report. Young women, driven by the desire to fit in and be deemed attractive, are increasingly resorting to artificial means to achieve their perceived ideals of beauty. I love my eyes with lashes. I love my look after microblading. Artificial nails, eyelashes, lip fillers, breast surgery, tattoos, among other beauty enhancements, are what ladies go for. Ladies prefer microblading than permanent tattoo. Clients prefer journeys because it stay long.
However, these produce often come with severe health risks and potential long-term complications. The constant use of artificial eyelashes is associated with the partial or complete loss of a person's natural eyelashes, a risk of ocular infections such as conjunctivitis. Tattoos are associated with a higher risk of skin infections and also blood-borne infections. For the breast lifts, these are often associated with a wide range of complications. You could have delayed healing, excessive bleeding, you could have injury to nerves and blood vessels. The pursuit of beauty should not come at the expense of one's well-being. But unfortunately, countless young women remain adamant to the risk they expose themselves to daily. And of course, that element takes us into our sports package for the day. We now talk women's volleyball, as Cameroon's volleyball Lionesses have beaten Nigeria by 3-0 in their second leg or their second outing at the ongoing Women's African Volleyball Championship that is currently taking place in Yaoundé. Cameroon have thus won their two matches in the competition. Meanwhile, Cameroon will be facing Egypt today at 6 p.m. in a third outing. Definitely, you take the rendezvous on all CRTV platforms for updates on that ongoing championship. Ladies and gentlemen, televiewers of CRTV and CRTV News, it's on that note that we shut down this package of your 7 a.m. newscast on your television. Stay tuned as your programs definitely continue. Tout le monde a parlé collé.
C'était Barry Collé, chanson culte de Georges Seba, auteur, compositeur, interprète, producteur qui a largement contribué à faire connaître la destination Cameroun, mais pas seulement, qui a réussi à vulgariser le chant choral. Il est aujourd'hui âgé de 64 ans par là, hein, ce fils du Sud Cameroun. On espère que vous allez bien, hein, on sait que vous aimez, vous êtes vraiment attaché à votre ville natale Ebolowa. On espère que ça va bien de ce côté. On passera à vous dire bonjour à un de ces quatre. Allez, beaucoup de reportages dédiés aux activités de vacances vous attendent tout au long de cette deuxième partie de Cameroun Feeling qui démarre à l'instant, mais nous parlerons aussi de bien-être. Oui, parce que c'est très important, hein, de prendre soin de sa santé, de sa forme. Bon, il faudrait aussi en profiter, hein, ce week-end pour s'étirer, courir un tout petit peu, pourquoi pas marcher. Bon. Là, tout de suite, en parlant de bien-être, je vous propose des massages à partir de pierre chaude. Massage réalisé par Yolande Béguené. Allez, à toutes. Nous avons besoin d'une huile végétale dans laquelle je vais ajouter de l'huile essentielle de menthe poivrée. La menthe poivrée qui a des effets toniques et calmantes. Donc nous allons passer au massage. Avant le massage, je vais appliquer mon huile de massage sur ma cliente. Cette huile de massage me permet d'avoir me facilite les mouvements. Il faut toujours faire le massage en effectuant des mouvements circulaires. C'est pour faciliter la circulation sanguine. J'insiste à ce niveau parce que c'est une zone de stress. Car pour des personnes qui travaillent beaucoup, généralement à ce niveau, ils sont toujours très tendus. Les pierres que nous sommes en train d'utiliser en ce moment sont des pierres volcaniques. Elles permettent de mieux conserver la chaleur, ce qui permet la relaxation des tissus. Et nous les appliquons comme ça parce que là, c'est une zone de tension. Vous allez également constater qu'elles ont des grosseurs différentes selon l'endroit où vous posez vos pierres.
vous choisissez la grosseur qui vous convient. Je dois me rassurer que tout va bien, que je ne sois pas en train de lui faire assez de mal ou alors que la température est supportable. On va enlever les pierres parce qu'elles ne sont plus chaudes. Nous allons laisser notre cliente quelques minutes, le temps qu'elle se détende de plus. Merci infiniment à Yolande Béyéné. On espère que ce massage aux pierres chaudes vous a fait beaucoup de bien, du moins tester, profitez de ce week-end pour tester. Allez, et profitez aussi de ce week-end pour commencer à acheter les fournitures scolaires de vos enfants, très important. Et notez donc, en prélude à la rentrée scolaire qui pointe déjà à l'horizon, le ministère du Commerce organise une vente promotionnelle de fournitures scolaires pour contrer les prix. Donc, ce sera du 21 août au 3 septembre prochain à l'esplanade du boulevard du 20 mai. Je reprends cette information. C'est en prélude à la rentrée scolaire qui pointe déjà à l'horizon. Le ministère du Commerce vous invite à vous déporter massivement au boulevard du 20 mai pour acheter les fournitures scolaires de vos enfants. Alors, à défaut, vous pouvez toujours vous les faire livrer. En composant le 677-79-98-54, 677-79-98-54. Allons parler d'activités, de vacances. Les vacances seront bientôt terminées, mais Dieu seul sait que nous avons encore pas mal de bons sujets dédiés aux vacances à vous proposer. Alors, dans la suite de Cameroun Feeling, nous allons vous inviter à prendre part à la deuxième édition du Summer Camp qui se déroule du côté de l'église orthodoxe à Bastos, à Yaoundé, au programme Jeux et Liturgie. Reportage signé Léa Zoka. Concilier religion et loisirs, c'est le défi que s'est donné l'église orthodoxe de Bastos pour ses vacances d'août. Le Summer Camp, qui est à sa deuxième édition, accueille des enfants pour une durée de 7 jours. Nous avons organisé un camp de vacances et nous sommes à la deuxième session. Ce camp a débuté l'année passée, nous avons eu l'idée et nous sommes en train d'avancer avec cette expérience-là. Le camp débute à 7h30, l'arrivée des enfants. Et nous débutons par la liturgie, puisque nous sommes une obédience religieuse. Après donc la divine liturgie, nous avons la classe des chants. Après la classe des chants, ça peut être des chants de chrétiens, ça peut être des chants divers, d'animation. Après la classe des chants, nous avons le petit déjeuner. Après un petit déjeuner de champion, il se lance dans les activités en formant de petits groupes.
Le tabou est un jeu qui se joue en équipe, donc soit commencer peut-être deux ou trois personnes. Dans ce jeu, on doit faire deviner le mot qui est en couleur, sans dire un des mots ici, ou sans dire le début de ce mot. Donc on doit faire deviner ça à son coéquipier. Et là, on a un buzzer. Celui-ci permet à ce que si celui qui fait deviner prononce un des mots, si on appuie là et le point va à l'équipe adverse. Et c'est ce qu'on appelle le sablier. Il permet de mesurer le temps et on le retourne deux fois. Ce jeu, on appelle ça les loups. C'est un jeu divisé en deux camps, c'est-à-dire les loups face à un village. Et non, les loups, la nuit, quand tout le monde dort, ils viennent pour manger. Ils choisissent un des villageois pour manger le villageois. Maintenant, il y a des villageois ayant des pouvoirs. C'est-à-dire, nous avons la sorcière. La sorcière qui a la possibilité de protéger, soit de sauver le villageois désigné par les loups pour être mangé, soit elle a la possibilité de tuer une personne suspectée comme loup. Ces loups-là, en journée, ils sont en forme humaine, c'est-à-dire ils sont mélangés aux villageois. Donc, en journée, on ne peut pas connaître qui ils sont. Pour qu'on ouvre à tout le monde, que tu sois orthodoxe, que tu ne le sois pas, même musulman, même ceux qui ne croient pas en Dieu, c'est ouvert à tout le monde, même aux athées. La tranche d'âge des enfants, ici nous sommes à la deuxième session, parce que la première session était il y a deux semaines environ. La première session était les enfants de 6 ans à 11 ans. Cette fois-ci, nous avons les enfants de 12 à 16 ans. Les activités sont animées de façon simultanée et durent chacune 45 minutes. Le cadre chaleureux et bon enfant permet aux campeurs de s'épanouir dans les saintes écritures, mais aussi de meubler leur journée en attendant la rentrée. Merci à vous, les Azok. Profitez de vos vacances. Il ne reste plus que deux semaines. Oui, la rentrée est bien prévue le 4 septembre prochain. Allez, on vous rappelle que le championnat d'Afrique de volleyball dames se joue actuellement au palais polyvalent des sports de Yaoundé. Le Cameroun a tabassé les volleyeuses du Nigeria hier 3-7-0. Bravo, bravo les filles. Donc continuez, la compétition se poursuit ce week-end. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Allez, nous allons vous inviter à présent à remonter dans le passé. Là, c'est succès passé, instant nostalgique sur Cameroun Feeling. On va vous proposer le générique d'une série télévisée d'origine américaine qui a fait sensation dans les années 90-2000. Voici Beverly Hills. Quand la terre était encore terre.
Allez, on espère que vous avez aimé ce générique de Beverly Hills, cette série qui nous a fait rêver, oui, dans les années 90-80. Bon, c'est à ce moment que les gars apprenaient vraiment à draguer, à être amoureux, de vrais amoureux, et à également à divorcer. Je crois que prochainement, on va vous proposer la série Melrose Place. Je suis sûre que vous allez aimer aussi. Allez, un happy birthday à Menye Nembot Diana, qui a eu un an de plus hier. Le partage du coquille plantain mûr a eu lieu à son domicile au quartier Bonemoussadi, précisément au lieu dit Sable, du côté de Douala. Happy birthday à vous. C'est de la part de William Nebou, preneur de vue sur Cameroun Feeling. On attend aussi le coquille là. Alors, une autre qui va souffler une bougie de plus demain, c'est Apollonie Manga. Oui, elle fait partie des rares techniciennes de vue. Voilà, vous avez son image à l'écran. Elle aura donc un an de plus demain. Iki, elle en profite alors pour se vanter. Santé, prospérité, bonheur, argent, une femme joyeuse et surtout bosseuse. Apollonie Manga nous invite donc tous. Oui, on va aller du côté de Bankomo pour partager le plat de Fiando. Donc demain à partir de 12h, si vous voulez être de la partie, vous avez tout simplement à écrire sur la page Cameroun Feeling. Oui, oui, on vous indiquera exactement où vous devrez nous retrouver à Bankomo chez Apollonie Manga. Happy birthday au nom de toute l'équipe de Cameroun Feeling. Longue vie à toi et merci pour tes bons et loyaux services. Elle aime ça. Allez, on vous invite tout de suite à enfiler vos maillots de bain. Oui, on vous emmène piquer une tête dans un espace dédié au métier aquatique et qui organise tous les vendredis, donc dès 10h, le concept dénommé Seski Piscine Party. Pour plus de détails, suivez plutôt ce reportage de Merveille Le Bogo. Il suffit de petits riens pour apprécier les vacances au quartier Lever. Profiter au maximum est le seul mot d'ordre. Des instants de détente face à la piscine et des jeux pour les jeunes. Grande a été ma joie de trouver cet espace. Honnêtement, il est beau, il est accueillant. Les couleurs sont belles. La promotrice m'a rassurée du fait qu'il y a des maîtres nageurs et surtout qu'il y a tous les accessoires qu'il faut pour les petits-enfants. Ce n'est pas évident avec des enfants. Quand on amène des enfants dans un endroit pareil, il faudrait qu'il y ait la sécurité. Donc, moi, je recommande vivement. L'espace, il est beau, il est propre. Ces moments, chacun les veut lents, doux et apaisants en attendant les prochaines rentrées. Et pour ce directeur... Les objectifs ont été atteints en ce qui concerne... l'ouverture totale de la maison. Pour ce jour particulier, nous sommes en train d'ouvrir la piscine. Et tout se passe très bien, la soirée se passe très bien. C'est une véritable merveille et j'invite tous les Camerounais. Pendant ces vacances, j'ai jugé mieux de rajouter la piscine qui fait la joie de tout le monde. Donc tout le public est attendu. C'est officiellement ouvert aujourd'hui. Donc on attend tous ces gens-là. Les jeunes, les parents, les problèmes de thérapie. Quand on y arrive, on est couvert, on est satisfait, on a tout sur place. Donc vous pouvez vous asseoir, vous passez la commande de votre nourriture, votre voiture en train d'être lavée, on vous sert un pot à boire, vous jouez au billard, vous nagez et vous faites confectionner des tenues événementielles et autres. Je me suis dit, si en créant un tel concept piscine dans ce lieu, dans ce quartier, ça va non seulement limiter des gens à aller loin au Dia, au Mont-Fédé pour se mouvoir dans ce sens-là. Sur une superficie de près de 500 mètres carrés et à la bourse du Camerounais moyen, cet espace attire davantage les curieux et contribue à l'épanouissement et à la détente du public jeune. C'est aussi profiter de ses vacances loin de l'oisiveté.
Et merci à Madame Véronique Ndikam pour cette belle initiative au cœur du quartier éleveur à Yaoundé. Allez, on va vous proposer un peu de musique, question de sortir votre morale des chaussettes. Voici, allez dire, oui, c'est Numérica qui signe son retour devant de la scène. Le publiciste a ses heures perdues. Allez, on regarde. N'écoutez pas les gens, ils vont toujours critiquer, commenter les commentaires sur notre solo. On nous a secoués, beaucoup insultés, les jaloux ont parlé qu'on va taper poteau. C'est que notre force, oh, on peut pas tomber, oh. On s'est dit oui, devant monsieur le maire, oh. Appelez Canal 2, Canal 2, ici là y'a pas de, y'a pas de. Les jaloux nous en veulent, nous en veulent, on s'en bat de. C'est tout ça, c'est les bla bla bla. On va toujours avancer, on ne peut pas reculer. On passe des bébés, oh, papa qu'on a validé. On a déjà signé, oh, on ne peut pas saboter. On s'en fout des écrits, oh, venez tous ces commentaires. Allumez-moi la télé, on a déjà baissé, oh. Appelez Canal 2, Canal 2. Ici là y'a pas de, y'a pas de. Les jaloux nous en veulent, nous en veulent. On s'en bat les. Nouvelle proposition, allez dire, sous fond de Mbolé. Waouh, il s'est vite adapté. Hein. Allez, bravo à lui en tout cas et bon retour sur la scène, au devant de la scène. Alors, je vais très rapidement vous rappeler, vous inviter à faire des dons, oui, à l'endroit de ces orphelins que nous prenons le soin de filmer tous les jours et de vous présenter, donc lundi et le mercredi sur Cameroun Feeling. On ne pourra pas tous les contenter, c'est sûr. Bon, sauf si on a mille contributions, mais bon, on fera avec ce qu'on aura reçu et avec nos propres contributions à nous. Donc, vous pouvez toujours déposer vos contributions à la guérite de la maison de la radio ou tout simplement, bon, pour ceux qui ne pourront pas, effectuer des dépôts au 690 66 02 91. Merci d'avance à tous et à chacun. Alors, si vous résidez du côté de Mandon à Yaoundé, hein, on vous invite à vous déporter au stade de Mandon. Alors, pour assister à la 21e édition du championnat de vacances Wembley, un championnat porté par Monsieur Louis-Nicolas Tabi depuis pratiquement 21 ans et qui est rendu donc, voilà, qui se poursuit de ce côté, qui a débuté le 10 juillet dernier. La sixième journée s'est jouée le week-end dernier. À l'affiche, Jouvence Vétéran Club et la formation baptisée Marmite. Ok, score de la partie, 3 buts contre 1. Daniel Ndongo a pris part à cette rencontre sans compte rendu. Ye metele wong bafu, ye 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 metele wong bafu,
my younger one. Yeah, mbafu, yeah. Me tell you, mbafu, my younger one. Yeah, me tell you, mbafu, Cela fait 21 ans exactement que le quartier Mendan est le socle du championnat de vacances Wemlé. Cette contrée de la ville de Yaoundé, située en plein cœur de l'arrondissement de Yaoundé 6, a comme particularité l'abondante jeunesse dont elle regorge. Raison du lancement de ce 21e acte du tournoi, dont la création date de 2002. Ça se passe, comme vous pouvez le constater, dans une ambiance carnavalesque. On se régale avec le football ici au Wembley Stadium de Mendon. Nous sommes exactement à la 6e journée. On entend jouer 7 journées pour arriver aux éliminatoires. Le duel qui dirige en masse les populations au stade est celui opposant Jouvence Vétéran Club, un collectif d'anciens Lions Indomptables en rouge, à la jeune formation de la Marmite en noir. Confrontation soldée par 2-1 en faveur des anciens Lions. Les réactions d'avant-match, on disait déjà long. Ils supportent les enfants là, il faut les encourager. Ces pros là, ils ont déjà fait le temps. Il faut encourager les enfants qui rêvent encore de devenir comme eux. Bon, c'est JVC. Les premiers instants du match sont à la faveur de JVC, mais le chemin défilé est trouvé en premier par les sociétaires de la Marmite. Une réalisation signée Wameni. Malgré la pression et l'efficacité de la jeunesse en noir, la parité met un terme à cette première manche grâce à un but marqué de justesse par Stéphane Bia. À la reprise, JVC creuse l'écart, ce qui marque alors la fin de cette 6e journée du championnat Wembley sous le score de 2-1. Notre force, c'est surtout dans la tête. Nous sommes des anciens, c'est beaucoup d'expérience. Et notre faiblesse, c'est qu'on n'a pas les mêmes jambes que les jeunes contre lesquels on joue. Le plus important, c'est l'équipe, c'est les joueurs, le staff, c'est de donner une bonne image. Savoir que le football est un mode fédérateur, c'est un sport qui rassemble. Et c'est très important de pouvoir être ici, de donner de la joie aux jeunes, à ces gens qui viennent ici pour regarder le football. Un honneur partagé par la jeunesse. Ça fait plaisir. Nous apprenons beaucoup quand nous jouons auprès de nos grands frères. Ça nous permet d'avancer, ça nous permet de mûrir aussi. Et je veux aussi féliciter ceux qui prennent cette initiative pour pouvoir organiser ce genre de tournoi parce que ça fait valoir le talent de beaucoup de jeunes parmi nous. Et je ne peux que les encourager. Une ambition réalisée par son promoteur pour canaliser les jeunes riverains. On organise le championnat dans le cadre de créer une saine émulation dans l'arrondissement. Durant ces périodes de vacances, nous luttons contre le banditisme, le vol, la dépravation des mœurs pour tout dire. Donc nous nous régalons chaque soir avec ces artistes qui nous régalent avec un football de haute facture. À ce championnat qui réunit 32 clubs du quartier Mendon, la fin de la phase aller est prévue pour le 21 août prochain et le jour suivant marquera le lancement de la phase retour. Merci Daniel Ndongo pour ce compte rendu. Je rappelle que la 21e édition du championnat de vacances Wembley prendra fin le 1er septembre prochain. Donc si vous avez encore du temps, allez-y, allez vous amuser. Ça se passe du côté de Mendon. Vous avez vu toute cette foule, hein? Donc ne manquez pas le spectacle en direct parmi ces anciennes gloires du football qu'on a pu voir à l'écran. On a Timothée Atouba, oui, de la génération Doré, génération 2000 de l'équipe des Lions Indomptables qui a donc soufflé une bougie de plus hier. Happy birthday à vous, longue vie aussi et happy birthday à toutes les personnes qui ont eu un an de plus. Allez, tout de suite, je vais de ce pas vous emmener à la rencontre d'une compatriote à nous qui est installée du côté de la Suisse, Valérie Mungemeva, épouse Peria. Et ce qu'elle fait, comment est-ce qu'elle se démarque? Eh bien, elle soutient les jeunes qui s'investissent dans le domaine de l'agroalimentaire, l'agriculture, autant pour moi. Allez, Marlise Enouambarga à Oumou est allée à sa rencontre. Suivez plutôt. Thank you.
gouvernement de la République du Cameroun, dans le souci de résorber le chômage, a mis en place un certain nombre de mécanismes. Malgré ces mécanismes, le taux de chômage ne cesse de grimper. Illustration, chaque année au Cameroun, comme dans le reste du monde, plusieurs milliers de jeunes sortent des grandes écoles et des centres de formation professionnelle, nantis de leurs diplômes, dans des secteurs d'activités diverses, des têtes bien faites et pleines, mais peinent à se frayer un chemin dans le monde professionnel. L'État ne pouvant pas aussi tous les recruter dans la fonction publique et dans les grandes entreprises d'État, ce qui pousse donc ces jeunes à se retourner vers l'informel. Ici, ils font face à l'absence des financements de leurs projets. C'est fort de ce constat que la compatriote Valérie Pereira Mengemeva vole au secours de ces nombreux jeunes avec la mise en place d'une coopérative qui devra leur permettre de bénéficier des financements afin d'implémenter leur business plan, de s'auto-employer et de sortir du chômage. À peine foulé le sol de son Cameroun natal, Valérie Pereira Mengemeva dévoile déjà l'ambition qu'elle a pour contribuer au développement de son pays. Je viens pour un projet bien précis pour notre région, donc une coopérative que nous devons mettre en place à Kribi dans le département de l'Océan. Alors il y a un constat qui a été fait sur le terrain, donc il y a un manque d'encadrement de nos jeunes qui sortent des écoles avec des diplômes et qui n'ont pas d'activité. Pourquoi ne pas donner un coup de main à nos frères en leur proposant des activités à caractère agro-économique, agro-pastoral, halieutique, dans la sylviculture aussi, et sous forme d'emprunt, d'épargne et de crédit. Avec cette initiative louable, elle fait partie désormais du cercle restreint des jeunes de la diaspora camerounaise responsables qui ont répondu à l'appel du chef de l'État. Il y a un travail qui a été fait en amont. Il y a une équipe de travail depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, nous sommes sur ce travail. Il y a toute une équipe qui travaille en amont. Il va falloir légaliser les statuts. Il va falloir se mettre en ordre. Et ça, la réglementation de OADA, donc suivant les coopératives, dont nous allons nous mettre sous les prescriptions de la loi OADA. Les jeunes de l'Océan peuvent compter sur cette brave Camerounaise qui, avec la création de cette coopérative, pourront bénéficier d'un appui financier pour leur projet. Donc, il y a beaucoup d'enjeux qui sont relevés ici par rapport à ce projet. Il y a des enjeux de développement. Donc, ce projet, il est économiquement viable, il y a des enjeux financiers, il y a des enjeux de solidarité. Donc je vais relever ici de solidarité parce qu'il est question vraiment d'être solidaire envers nos frères et sœurs afin d'enrayer le chômage. Valérie Pereira Mengemeva a toujours été présente au Cameroun où elle mène plusieurs activités dans l'agro-pastoral. Elle souhaite également de voir de nombreux jeunes lui emboîter le pas afin de réduire le taux de chômage et de lutter contre la pauvreté au Cameroun. Un seul mot. Continuez. Merci à vous et Noam Barga Aoumou de CRTV Centre pour ce reportage. Vous êtes nombreux à nous regarder, à nous suivre tous les jours. Merci infiniment pour votre fidélité. On a quelques téléspectateurs ce matin. Lily Brice à Pont, Talatala à Tom du côté de Ebolowa. Oui, c'est au sud du Cameroun. Sandrine Marina Segamsimo. Bonjour à vous et merci de votre fidélité. En troisième partie, tout à l'heure, nous serons en compagnie de Adrien Béa. C'est un musicien qui chante depuis 1980. Il a fait le tour du monde avec d'autres musiciens, mais aussi avec ses propres chansons, un mix de musique traditionnelle et de grands classiques du jazz. Tenez par exemple, on l'appelle Barry White africain, du nom de cette légende du jazz américain. Américain qui n'est plus, hélas. Et puis, nous serons également en compagnie de Marty Danak, oui, l'auteur de la chanson « Mamouche, ode à toutes les mamans », une chanson qui lui a valu le Ballantine's True Music en 2016. Ils seront là pour vous présenter leurs différents projets artistiques. En attendant, voici nos rendez-vous sur Cameroun Feeling, sur la CRTV surtout. Oui.
la convulsion n'est pas un symptôme anodin. Toutes les tranches d'âge pédiatriques peuvent être sujettes aux convulsions. La drogue est un problème réel pour ceux qui en consomment. Nous avons des enfants qui consomment de la drogue. Nous avons des familles. Et ces familles, quelle est l'idée qu'ils se font de la consommation? Il y a d'aucuns qui disent que c'est des enfants agités. Lorsqu'il a agité, ou qu'il a ramassé. Il existe des facteurs qui favorisent la survenue de l'hypertension artérielle. Le fait d'appartenir à une famille de personnes hypertendues nous prédispose à être hypertendu. La plus grande manifestation, celle qu'on voit le plus classiquement, effectivement, ce sont les paralysies. C'est-à-dire qu'on voit des enfants qui, malheureusement, ont, par exemple, soit les deux membres supérieurs qui sont paralysés ou les deux membres inférieurs qui sont paralysés. Ça peut arriver. Ou alors, c'est un seul membre qui est paralysé. CRTV, au cœur de la nation. Je suis contre la tontine pour les femmes déjà. Ah. Puisque lorsqu'elles bouffent, sieste, elles y vont pour pouvoir ramener de l'argent pour le foyer, si on n'est même pas capable de voir cet argent-là, à quoi ça sert vraiment. Et vous verrez aussi que ce sont des milieux de concurrence. L'amour sans argent, ça ne peut pas tenir. Parce qu'on ne mange pas l'amour, on ne voit pas l'amour. Le téléphone est venu prouver la modernisation. Pour moi, le problème du téléphone, premièrement, ne n'est pas de l'utilisateur, ni de l'utilisation, mais de l'utilisation abusive du téléphone par l'utilisateur. Il y a des familles aujourd'hui où vous voyez deux sœurs et vous voyez quand même malgré l'enfant de sa nièce, vous vous demandez si réellement c'est la même famille. On ne devrait pas permettre à une famille de vendre jusqu'à une certaine limite de son territoire, de ses terrains, parce que c'est tuer la famille, c'est tuer une communauté. Si un enseignant ne drague pas son étudiante et elle est fière, qui d'autre la draguera? Ça ne sert à rien. Nourrir un homme, c'est comme si tu étais en train de nourrir un chien. Qui va te mordre demain. Donc ne perdez plus le temps à chercher les hommes qui ne travaillent pas pour se nourrir de l'amour. C'est quel mou? CRTV, au cœur de la nation. Lolo.
Alors, moi j'ose, ouais, en créant une nouvelle danse, voilà, la danse de l'émergence, ouais, la danse des grandes réalisations, ouais, la danse qui va nous conduire tous vers la victoire, ouais, tu vas, est-ce qu'on est prêt? Cette danse s'appelle Horizon. Rentrée scolaire 2023, dans deux semaines le grand jour. Les premiers signes de la préparation sont visibles à travers le territoire national. Le point dans les marchés des établissements scolaires à suivre dans ce journal. Et puis en sport, 21e championnat de volleyball dames, les Lyonnes à la quête d'une troisième victoire consécutive après la domination hier 3-7-0 face au Super Falcon du Nigeria. Le résumé de la rencontre vers la fin de ce journal. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, bienvenue au 8h édition du 18 août 2023. On débute par l'éducation. Dans moins de 20 jours, les cours de récréation des établissements primaires et secondaires renouent avec l'animation. En attendant, les marchés et librairies ne s'animent pas encore. Les parents d'élèves traînent le pas. Pourtant, les livres et manuels scolaires sont disponibles et les inscriptions sont en cours. Barbara Pajama.
Le sac des vacances encore au dos avec une tête ailleurs. Il y a des enfants qui n'ont qu'un fardeau de pression. L'équation sur la préparation de leur entrée cette année casse en ce moment la tête de leurs parents, qui marchent dans tous les sens. Et pour rentrer dans une classe, il faut être passé par une porte, seul ou accompagné. On est ici pour s'inscrire. Si tu n'as pas ton format, tes dossiers, là, tu ne sais pas avoir la place au lycée. Les établissements font en même temps du sur-mesure, des peintures, des carrelages. Le ménage, c'est avec le concours des anciens élèves promus volontaires. On est en train de refaire la salle des profs et on a ciblé tout ce qu'on doit faire. Le tableau noir et les portes à remplacer. Pour les parents bons élèves qui ont l'habitude de cette épreuve. J'ai dû acheter les cahiers, j'ai dû acheter les fournitures. Maintenant, je suis en train d'acheter le reste. Dans les magasins, c'est l'appel à longueur de journée parce que toutes les fournitures sur les listes sont présentes. C'est ici le 25, avec les gens qui vont toucher, qu'on va pouvoir avoir l'affluence. Ailleurs, après des semaines de réservation, c'est l'heure de passer à la caisse ou au test. Les inscriptions sont lancées depuis le mois de juin. Et dès le 1er juillet, ils avaient tout le mois de juillet pour réserver également, pour confirmer leur place. Malgré la fièvre de la rentrée, on garde la tête posée. J'ai pris les cahiers de mon frère pour commencer à lire. Moins de 20 jours seulement avant la cloche, la tête des parents s'élève déjà au-dessus des épaules. 30 jours et pas plus, c'est le temps donné par le gouvernement aux travailleurs étrangers du Haut-Nion en situation irrégulière pour s'arrimer à la réglementation. Message délivré, c'était jeudi dernier par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Issa Tiruma Bakary, au terme d'une visite de certaines entreprises forestières dans la région de l'Est. Reportage d'Eniama. Dans la séance de travail qui a réuni les responsables des sociétés de transformation de bois et les différents intervenants dans ce secteur d'activité, le ministre de l'Emploi et la Formation professionnelle, Issa Tiruma Bakary, qu'accompagnait le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Joseph Lé, a été clair. Les entreprises utilisant la main-d'œuvre expatriée en situation irrégulière ont 30 jours pour se conformer à la loi. Un message qui n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Nous avons également bien pris note des exigences du gouvernement pour la régularisation du personnel expatrié qui travaille chez nous. Nous en comprenons la logique. Pendant la visite des entreprises, le membre du gouvernement a insisté sur l'utilisation de la main-d'œuvre locale et surtout sur sa formation. La loi des finances 2023 prescrit à mon département ministériel la mission de collecter 2 mois de salaire à tout étranger qui travaille au Cameroun. Le président de la République, M. Paul Biya, a prescrit à mon département ministériel de transformer les 300 SAR SM que nous avons aujourd'hui en centre de formation professionnelle au métier. Ce recouvrement des fonds publics permettra la construction des centres de formation professionnelle afin de perfectionner la main-d'œuvre locale. C'est une volonté du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Parlons à présent d'un sujet qui fâche. Obtenir un titre foncier au Cameroun relève du chemin de croix. Avoir un terrain et pouvoir en revendiquer la paternité passe impérativement par l'obtention du précieux sésame. Mais entre tracasserie financière et lenteur administrative, les aspirants au précieux sésame font du parcours de combattant. Et si vous ne voyez toujours pas de quoi il s'agit, armez-vous de courage et suivons notre guide, Aboubakar Abou. D'abord, il y a l'achat du terrain, mais même validé, pas de quoi jubiler, car il faut le titre afin de le protéger. Et c'est bien dans cette case que commencent tous les déboires. Au Cameroun, le texte et la réalité sont deux chemins parallèles. Vous levez d'abord le terrain, vous rattachez le terrain et puis vous faites une dérogation auprès du ministère. Dès que la dérogation est sortie, vous faites une demande chez le sous-préfet. Le sous-préfet doit faire une descente consultative. S'il n'y a pas opposition, ça descend donc au niveau départemental, ça monte au journal officiel. Après le journal officiel, il faudrait que ça descende donc maintenant au niveau départemental chez le conservateur. Au niveau de la conservation, il faut comprendre que le terrain en fait n'est pas totalement à vous, donc c'est vraiment compliqué. Pourtant, la loi fixe un délai de 6 mois, sauf que sur le terrain, ce temps est multiplié à l'infini. Ça dépend
ligne de la porte là où tu tombes. C'est des couloirs. Il y a des procédures qui tirent peut-être même à 2 ans, 3 ans, voire. Et si ce n'était que ça, car en plus, chaque escale est sanctionnée d'un droit de passage. Oui, il faut mettre la main à la poche avant même d'ouvrir la bouche. Dans toute porte, il faut négocier. Généralement, c'est quelque chose qui prend quelques 400 000 francs. Une preuve à laquelle n'échappent pas les géomètres, pourtant acteurs majeurs dans le processus. On a aussi un sérieux problème avec les mairies. Au minimum, vous perdez 1 mois pour qu'on vous établisse un certificat d'urbanisme. Le véritable problème souvent pour les usagers, c'est que parfois, ils font des transactions, ils commencent par le notaire, alors qu'il faut d'abord commencer par le géomètre. Au tard des hommes s'ajoutent les problèmes du système. On a centralisé l'enregistrement de toutes les transactions immobilières privées vers un seul centre. Les services régionaux des impôts sont déjà submergés par le trop-plein de transactions. Les textes pour réguler ces secteurs existent, mais les regards et les paumes suppliants se tournent encore vers l'État afin d'alléger un peu ce parcours du combattant. Je vous propose à présent de faire un tour dans la région du Sud. 61 lauréats de la 17e promotion du Sénagès de Kribi ont reçu leur diplôme de fin de formation, c'était mercredi dernier. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Foutsou, qui présidait la cérémonie, a baptisé la cuvée « Involontaire Patriote » pour un Cameroun, son discours de haine. Le reportage à Kribi de Dieudonné Noira. Ils sont au total 61 lauréats de la 17e promotion du Sénagès année 2023. Ces derniers ont changé leur statut à Kribi et deviennent, après l'obtention de leur diplôme, des instructeurs principaux de jeunesse et d'animation et instructeurs de jeunesse et d'animation. Parmi eux, des candidats destinés à la fonction publique, des auditeurs libres et personnels de forces armées et police. Avec ce diplôme, nous comptons galvaniser la jeunesse afin que celle-ci ne sombre pas dans les discours haineux. La promotion de l'insertion socio-professionnelle et la promotion de l'éducation civique et de l'intégration nationale. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Foutsou, a recommandé le meilleur encadrement possible sur le terrain des involontaires patriotes à travers le pays. Nous avons baptisé cette promotion Involontaire Patriote pour un Cameroun sans discours de haine. Nous avons décidé de les déployer immédiatement sur le terrain pour aller encadrer les 1000 involontaires patriotes des réseaux sociaux que nous venions de déployer et qui sont actuellement sur le terrain. Ils ont donc reçu une formation de qualité au Sénagès de Kribi et sont désormais aptes à jouer pleinement et efficacement leur rôle pour une République camerounaise exemplaire. Certaines femmes ne seront pas contentes. Pourtant, tout ce qui brille n'est pas or dans l'industrie de la cosmétique. Pour capter les regards, beaucoup de contemporaines n'y vont pas de main morte pour la pose des fossiles, faux ongles, lentilles et même le tatouage des sourcils. Ce matin, les professionnels de la santé ouvrent les yeux sur ces artifices. Ce sont des dangers pour le corps humain. Le regard naturel de Laetitia Onana. Tape à l'œil, de la tête jusqu'à la pointe des pieds. Les filles de l'heure au Camer l'assument pleinement au quotidien. J'aime bien le micro-bébé là parce que ça me fait gagner en temps et puis je n'ai pas besoin d'être toujours en train de chercher à retracer quoi. J'aime toutes les couleurs, je choisis en fonction de la semaine. Cheveux colorés, pose de faux ongles ou de fossiles, aucune partie du corps ou presque n'échappe aux artifices de beauté pour sauver les apparences. La particularité du micro-bébé là, c'est que c'est là de rendre le regard plus beau à travers le traçage de sourcils qui tient compte des angles du visage. Attention tout de même, quelques-unes de ces touches embellissantes présentent des inconvénients assez graves sur la santé. À force de mettre les fossiles à répétition, ça peut vous donner des dermites irritatives de contact. Et puis on utilise les produits chimiques pour coller ces cils, ce qui fait que ça a un impact sur la qualité de la vie. Pour ce qui est des faux ongles, vous allez constater que généralement ce sont des femmes qui font des onychomycoses. En fait, ce sont des infections des ongles qui sont dues aux champignons. À chaque moment que vous faites les poses des ongles, à chaque moment que vous avez les ongles incarnés, vous pouvez avoir une infection à type de panarie. Le charme, au naturel, sera donc, à en croire les spécialistes, la meilleure option dans le temps. Du sport au bas de ce journal, championnat d'Afrique de volleyball dames 2023, encore une victoire
des Lions indomptables dans leur seconde sortie en match de poule. Les champions d'Afrique en titre ont battu hier le Nigeria sur le score de 3-7-0. Rencontre disputée au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Les moments forts de la rencontre, c'est avec Robert Badjek. C'est un autre jour. La victoire de la détermination. Les Lions indomptables empochent une seconde victoire de rang face à un adversaire qui leur a posé des problèmes par moment. Bousculés d'entrée par les Nigérianes, les Camerounaises, tout en maîtrise, parviennent à renverser la vapeur et à remporter le premier set 25-17. Qui a mis le ballon dehors, le Nigeria. La réception camerounaise. Et le lobe de Estelle Adiana. Le second set est également maîtrisé. Tout le contraire du troisième set, qui est cauchemardesque à son entame. Les Lions sont menés 8-0, mais parviennent tout de même à égaliser et à plier le match en remportant la troisième manche, 25-18. C'est réussi et c'est terminé pour une deuxième victoire camerounaise. 25-18 dans cette troisième manche. On rappelle justement que le Cameroun est en tête du groupe A et puis le Kenya est en tête du groupe B. La troisième journée de cette 21e édition du championnat d'Afrique de volleyball dames se dispute ce vendredi à suivre à partir de 12h au palais polyvalent des sports de Yaoundé. La première rencontre Nigeria-Burundi à 14h, le Maroc va croiser le Lesotho à 16h, l'Algérie va jouer contre le Mali et puis à partir de 18h, l'Égypte sera face au Cameroun. Du côté du gymnase multisport de Fandena, à partir de 11h, le Rwanda sera face au Burkina et puis à 13h, le Kenya va jouer contre l'Ouganda. C'est sur cette information sport que nous mettons un terme au journal de 8h. Mesdames et messieurs, restez en compagnie des programmes de la CRTV. Bienvenue une fois de plus sur Cameroun Feeling. Merci de nous témoigner votre préférence. On espère que ça va super bien de votre côté. Alors, qu'est-ce qui vous attend tout au long de cette troisième partie? Les bons sons de Marty Danak et Adrien Béa, tous les deux, viendront vous présenter leurs différents projets artistiques. Adrien Béa, qui est sur la scène depuis les années 80, vous parlera de ce tour du monde qu'il a effectué avec sa guitare. Et puis, Marty Danak, lui, il sera là pour vous parler de sa collaboration avec Papa Bendeka sur le titre Kusana, oui, un titre que vous avez eu le privilège de découvrir en exclusivité en début de semaine. Et puis, on n'oublie pas la chronique sur les petits métiers animée par Emmanuel Mvoibuo. Ce sera aujourd'hui sa chronique sera axée aujourd'hui sur les métiers de la beauté, précisément de l'esthétique. Mais avant toute chose, commençons par la musique. Oui, la musique qui nous aide à nous sentir aussi bien, parfois quand ça ne va pas. On regarde. Pourquoi tu te moques de celui qui n'a pas mangé? Le chef à Bavari. Pourquoi tu te moques de celui qui n'a pas le pied? Tu es le roi. Pourquoi tu te moques de celui qui n'est pas marié? Oh, faut faire attention. Et à mon ami, ça ne fait pas longtemps. Tu étais comme lui, tu n'avais même pas l'argent. Comme l'Éternel t'a béni, aujourd'hui là tu es content. Voilà maintenant que tu te moques de celui qui est défaillant. Subitement au quartier tu deviens arrogant et trop insolent. Alexis, avec manager. Ta voiture tu éclabousses les pauvres mamans. C'est Dieu qui t'a donné, c'est aussi lui qui peut reprendre. Donc fais attention, tu peux quitter 2000 à 5 francs. Pourquoi tu te moques de celui qui n'a pas mangé? Pourquoi tu te moques de celui qui n'a pas le pied? Pourquoi tu te moques de celui qui n'est pas marié? Oh, faut faire attention. Pourquoi tu te moques de celui qui n'a pas mangé? Pourquoi tu te moques de celui qui n'a pas le pied? Pourquoi tu te moques de celui qui n'est pas marié? Maman Pascaline. Oh, faut faire attention.
n'a pas tous ses pieds, tu l'appelles contrebasse. Basse. Il fait pitié, il est fusible, il ne peut pas marquer le pas. Est-ce qu'il a fait un concours pour mettre handicapé? Comme toi tu as tes deux pieds, mais lui là tu pars te moquer. Attends un peu ma chérie, pourquoi toi tu oublies qu'à l'époque ici au quartier tu n'avais pas de mari. Aujourd'hui le Seigneur t'a permis de pouvoir te marier. Voilà maintenant que tu méprises tes copines divorcées. Est-ce que c'est bien de se moquer de celui qui n'a pas les dos? Est-ce que c'est bien de se moquer de celui qui peut pas marcher? Est-ce que c'est bien de se moquer de... Chacun a son tour, c'est le coup à faire. La Mamadou, pourquoi tu te moques de celui qui n'a pas mangé? Pourquoi tu te moques de celui qui n'a pas le pied? Pourquoi tu te moques de celui qui n'est pas marié? Oh, faut faire attention. Pourquoi tu te moques de celui qui n'a pas mangé? Pourquoi tu te moques de celui qui n'a pas le pied? Pourquoi tu te moques de celui qui n'est pas marié? Oh, faut faire attention. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, oh. Président Gaché, les contournables chenibi, il va te rouler. Merci à la réalisation pour ce single signé Compressor Premier. Un qui est de retour sur Cameroun Feeling ce matin, ce vendredi 18 août, veille de la célébration de la journée mondiale de la photographie. C'est bien Emmanuel Mvoibio. Oui, bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien ce matin, vous? Ça va tout doucement, je pousse et je mets la cale comme la plupart des Camerounais. Aller. Ça va sinon? Ça va très bien. Qu'est-ce que vous avez fait depuis lundi? Aujourd'hui, chers téléspectateurs de Cameroun Feeling. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est-à-dire que vous êtes occupé à quoi d'autre en dehors du reportage? En dehors des reportages, voilà. Je suis parti voir des championnats de vacances. D'accord. Et j'ai aussi assisté à ma mère quand elle faisait de la cuisine, surtout les mets traditionnels de chez nous. Ah. Comme l'antégué, comme l'ondengue. J'ai appris à faire ça moi-même. Ah. Attends un peu. Vous pouvez me chercher, trouver une latte là. Hein? Charlie et toi là, les gars de l'Est là. Vous ne représentez pas bien l'Est, hein, je vous préviens. Oui. Parce que vous mangez les plats là-bas et puis vous venez nous raconter. Je vais vous garder ici. Prochainement. C'est ça. Ouais. Chaque fois vous dites la même chose. Alors avec vous, on va parler des petits métiers. Et on va s'intéresser aux métiers de la beauté, surtout de l'esthétique. Et vous nous dites que ça se passe du côté de Ekounou, c'est ça? Alors, chers téléspectateurs de Cameroun Feeling, depuis les vacances, nous vous proposons des reportages sur des activités sportives à travers des championnats, des ateliers de peinture et bien d'autres. Aujourd'hui, la chronique activité de vacances vous conduit esthétiquement dans l'esthétique, au quartier Ekounou, dans le 4e arrondissement de la ville de Yaoundé. Là-bas, le make-up, le secret des femmes, le make-up, connaît du succès chez des jeunes vacancières. Le film de cette activité dans ce reportage que nous vous proposons de regarder. Au quartier Ekounou, dans le 4e arrondissement de la ville de Yaoundé, l'Institut de beauté Sédou Glamour théorise l'esthétique en démystifiant le make-up chez des jeunes vacanciers. J'aime tellement l'esthétique. Tellement que j'aime l'esthétique. Donc, ça me plaît de voir plusieurs personnes belles, ravissantes, très jolies. Ma passion pour le make-up que je fais vient de Seydou Glamour. Seydou Glamour m'a toujours inspirée parce que je prenais 30 minutes de mon temps pour venir l'observer. Je le suis toujours sur les réseaux sociaux et vraiment, il m'a motivée à entrer dans la chose. Ma passion pour le make-up, j'ai toujours été passionnée par la chose en fait. Et déjà, je suis à la base quelqu'un qui adore, qui aime bien le make-up. On nous a appris deux types de make-up en fait. Il y a un make-up flash et un make-up glamour. Le make-up glamour, c'est un make-up chargé qu'on peut faire, on peut sortir en soirée avec.
Et le make-up flash, c'est un make-up nuit qu'on marche en journal. Le make-up de carnaval est un make-up qui doit être réalisé avec plus de paillettes et de scratch. Donc, ça doit être très très bien visible. Comme matériel de make-up, nous avons les lingettes démaquillantes. Ou ça, un produit spécialisé pour démaquiller, peu importe le visage, le type de visage de la personne. Ensuite, nous avons la base. Il s'agit du lait de magnésium. On continuera avec un fond de teint liquide ou sec. Selon le type de visage, nous avons deux types de visage. Primaire, il s'agit des peaux grasses et des peaux sèches. Pour réussir son make-up, il faudra d'abord diagnostiquer le visage de la cliente pour déterminer si c'est un visage gras ou un visage sec. Parce que les deux ne se maquillent pas de la même façon. La dextérité dans le traçage et la maîtrise des différents secrets du make-up font partie des connaissances transmises par une passionnée. Ce qui nous encourage à enseigner l'esthétique, c'est parce que j'aime d'abord l'esthétique. Et j'ai décidé de transmettre ma passion à ces jeunes qui veulent bien apprendre et qui aiment bien aussi le maquillage comme moi. Chacune s'ouvre après gommage et vernissage le make-up désiré. Vous pouvez sans doute croire que d'ici la fin des vacances, elles seront des professionnels du domaine. Esthétiquement, esthétique. Bien Rose, nous avons passé un super moment là-bas. Super moment, nous avons beaucoup appris. Et nous avons aussi appris que c'est un domaine très, très délicat. Parce que nous avons l'habitude de voir des filles au nez très jolies, avec des visages esthétiquement esthétiques. Esthétiquement esthétique. Dieu sait que parfois, quand elle décide de nettoyer le visage, là, à quoi ça ressemble. Ça peut être une catastrophe. Et il faut avoir la maîtrise des couleurs. En fait, c'est de la maîtrise des couleurs et les différents make-up. Parce que nous avons l'habitude de voir des filles make-upées, mais on ne connaît pas qu'il y a les différents make-up. Il faut maîtriser tout ça. D'accord. Donc, vous avez bien retenu la leçon. En tout cas, c'est ce qu'on a retenu. Nous avons retenu. Merci, Emmanuel. Vendredi prochain. À vendredi prochain. Bon, entre-temps, vous nous aurez proposé d'autres reportages sur les activités de vacances et pourquoi pas aussi sur les préparatifs liés à la rentrée scolaire. Nous rappelons à nos téléspectateurs que voilà, vous pouvez participer à la rentrée, aux préparatifs de la rentrée des orphelins en nous apportant vos contributions directement à la guérite de la CRTV Mbala 2 près de l'hôpital Jameau, ou à défaut faire vos dons en espèces au 690 66 02 91 6 90 66 02 91. Merci d'avance. Et je rappelle qu'à partir du 21 août prochain, vous pourrez acheter directement vos fournitures à l'esplanade du boulevard du 20 mai grâce à cette opération de promotion initiée par le ministère du Commerce. Donc, spéciale rentrée scolaire, vous pourrez acheter des fournitures scolaires là-bas sur place. Allez, voilà donc, passez une très bonne journée. On va continuer à parler de beauté, mais cette fois-ci de Miss Valeur Africaine. Un concours de beauté qui vient de se dérouler du côté de Douala, précisément au cabaret de Petit Pays, Rabat Rabi, Adolphe Mundi. Allez, voici donc le compte-rendu de Marie-Gabrielle Lemfegueux de CRTV Littoral. Naomi Swinkoyap Kebowo et Marilyn Elise Rutiana Bema Priso sont respectivement Miss et Première Dauphine Valeur Africaine 2023. Elles ont été élues sur les 60 candidates en lice. Dans cette compétition, âgée de 18 à 23 ans, la Miss a reçu une somme de 150 000 francs CFA, une formation d'auto-école et un séjour d'une semaine à Kribi et bien d'autres lots. La première dauphine, quant à elle,
reçoit la somme de 50 000 francs CFA et 2 lots d'hiver. Je suis tellement émue et vu mon travail, car j'ai vraiment bâti campagne, je suis fière de moi, j'ai appris, j'ai tellement appris, j'ai connu de nouvelles personnes et je me suis surmontée. Mon projet est de créer une plateforme digitale dans laquelle je vais numériser les recettes culinaires et faire un rappel sur les vêtements traditionnels de l'Afrique. Je suis très contente, je suis très honorée par cette position. Mon projet est d'établir un programme d'action humanitaire et d'autonomisation des réfugiés et des déplacés au Cameroun. Les critères de sélection de ce soir ont été beaucoup plus au niveau de la démarche, l'originalité de la tenue, l'éloquence, le sourire. Devant le public, leur fan club et leur famille, venues soutenir ces beautés africaines, elles ont rivalisé d'agresse lors des passages en tenue de ville, en tissu pagne, en tenue traditionnelle, tenue professionnelle, tenue de soirée et un passage qui a soulevé les youyou, le passage en maillot de bain. Artistes ont meublé la compétition de beauté et le défilé des modèles du designer tisserand Mbaladji Kevin avec des objets faits à partir de la laine qui lui ont valu plusieurs distinctions. Michel. Cette broderie que vous avez vue, elle est faite à la main. À base de la main, une aiguille, des ciseaux et de la laine. La laine qui est l'élément premier. C'est pour valoriser l'art, la culture. Alors, revenons à nos sources. Un groupe de danse tchadien appelé le Ngoni a également agrémenté cette soirée en compagnie du Chaban Group. Véritablement couru dans l'enceinte du complexe cabaret Ishango Ouaga du petit pays, dont la capitale économique. La mise de l'art africaine a été mise sur pied pour essentiellement redonner cette valeur africaine qui, de jour en jour, notre jeunesse plus particulièrement, la gente féminine, ne fait que s'assombrir parce qu'elle épouse la culture occidentale majoritairement. Nous avons décidé de créer une rubrique en dialecte parce que c'est aussi un problème majeur de la jeunesse africaine qui, de jour en jour, ne connaît pas réellement parler sa langue vernaculaire. Un concours de beauté qui vient à point nommé mettre en vitrine les valeurs africaines que les jeunes
de nos jours ont tendance à négliger. C'est de notre responsabilité. D'accord. Franchement, d'abord j'avais la mâchoire qui tombait, on va le dire comme ça. Et tout, à chaque fois que dans vous... Dans les passages et tout. Mais maintenant noir, ça va, ouais, ça change. Ouais. Oui, parce qu'il y a aussi la diaspora, au-delà de ce qu'on fait sur place, et puis il y a la diaspora qui revient aussi de temps en temps. Exactement, je pense que je me suis même dit qu'il va falloir que je fasse des petits tours de temps en temps. Non, il faut revenir plus souvent, on a besoin de vous. On oublie un peu, c'était un repère. Non, il faut revenir, surtout qu'il y a le bon Chapalo, mais j'ai oublié de... C'est quoi Chapalo? Non, laissez le faire. On ne peut pas rentrer trop dans les détails. Et comme ça, vous flirtez avec la musique depuis 14 ans, vos 14 piges. Exactement. Merci de nous raconter cette histoire avec le, cette histoire d'amour avec le 4e art. Ben, si vous voulez, à l'âge de déjà 5-6 ans, déjà, je chantais à la maison comme ça. Mm-hmm. Voilà, comme tout bon enfant qui, voilà. Et ça me prenait, je faisais de temps en temps des duos avec ma grande sœur. Ah. Voilà. Et puis voilà, j'ai raté le concours, si vous le racontez comme ça, j'ai raté le concours du collège Vogt. Et j'avais, aïe, aïe. Voilà. Et du coup, je me suis retrouvé au collège Madeleine et tout. Oui. Et sans publicité. Du mais tout. Bon, voilà. Si vous faites trop la pub, on va à CMCA, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, c'est comme ça qu'à l'âge de 11 ans, 12 ans, voilà, en conseil scolaire, c'était des grands, des anciens qui jouaient. Mm-hmm. Et il y a un professeur de physique chimie à la personne de Sayem, Père son âme, mm-hmm. et, qui, franchement, avait interprété un titre de Will... I'm God, my Mojo Walking de Jimmy Smith, okay. En jazz, et ça m'a touché. Quoi. Ça vous a pris au trip, ça m'a quoi. Pris au trip, quoi. Ouais. Je me suis dit, waouh, il y a un truc dans les... c'est pas possible. Et voilà. Et c'est puis, comme ça que vous avez comme commencé. Le virus, on va le dire comme ça, de la musique m'a pris et j'ai évolué, quoi. Alors, pourquoi est-ce que, ça c'est le petit détail que j'ai omis de préciser, c'est qu'on vous appelle le Barry White africain, du nom de ce célèbre chanteur, réalisateur et producteur américain, qui n'est plus malheureusement depuis 2003, Rhythms and Blues and Soul. Ouais. Uh-huh. Pourquoi est-ce qu'on vous appelle ainsi? Mais on m'appelle, enfin, si vous voulez, voilà, si le Barry White. Il avait une voix assez. Déjà, vous voyez, j'ai une voix assez grave. Bon, j'espère qu'on pourra l'entendre quand même j'espère. En live. Et dans le répertoire, mon répertoire, dans mon groupe de soirée privée à Paris, mm-hmm. voilà, j'avais tout un répertoire de Barry White, en fait. D'accord. Voilà, j'interprétais du Barry White et tout, du James Brown aussi, un peu de Charles. Bon, voilà, c'était un répertoire comme ça. Et du coup, quand je me retrouvais parfois dans certains cabarets, uh-huh. où il y avait plein de d'Africains et tout qui venaient, bon, voilà, je... Alors, vous, qu'est-ce que vous pouvez nous faire, là, juste un bout de Barry White en live, en direct, en acapella? Live the music, play. Ah, just wanna dance a lot of way. Here, walk, here, what a girl stay. Ah, my love. Ooh, 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 baby. Waiyai! À quel moment avez-vous intégré l'orchestre de la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale? Est-ce que vous vous rappelez seulement de la date? Je ne pourrais pas me rappeler la date, mais c'était dans les années 80, on va dire entre 85 et 86. Mm-hmm. Voilà. Bon, et j'ai eu dire qu'à cette époque-là, vous aviez eu beaucoup de tchélé d'argent. Hein, beaucoup, oui, puisque vous aviez... beaucoup d'argent? Beaucoup, oui. Mais non, on était payé par rapport aux prestations, en fait. Uh-huh. On avait des prestations. Mais il se dit que c'était beaucoup. Mais en fait, c'était une bonne époque parce que, si vous voulez, voilà, tout était un peu quand même bien carré et tout. Voilà, après une prestation, on se retrouvait voilà, devant le contact. C'était une belle époque. Voilà, c'est une belle époque. Uh-huh. Voilà, chacun avait son cachet et puis voilà quoi. Allez, on en profite pour dire bonjour à tous les employés de la CNPS qui nous regardent certainement. Leur directeur général est un grand fan de fidèle téléspectateur de Cameroun. Ah, ouais, non, c'était une très belle époque à la CNPS et tout. Ah, tout oui. était carré. Non, franchement, tout était carré, bien fait. Mais ça l'est encore. Hein. Bon, voilà, Dieu merci. Je suis passé par là déjà, j'ai vu que la tour...
avait changé carrément. Oh, dis donc. Ah, ça change au pays. Hein. Il faut rentrer au Cameroun. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faudrait que de temps en temps que je revienne et tout, parce que c'est très important. Alors, on va parler à présent de l'Adi Golans Group. L'Adi Golans Group. Oui, ce groupe avec lequel vous avez cheminé, avec lequel vous avez fait le tour du monde. Voilà, exactement. Mmh. L'Adi Golans Group, c'est un groupe de soirée privée qui fait... Qui est dans l'événementiel, on va dire. D'accord. Et on fait, on anime des soirées, ça, enfin, on animait des soirées, parce que j'ai arrêté avec eux, des soirées un peu bon chic, bon genre. Mm-hmm. Et puis on se retrouvait entre deux avions de temps en temps, parce qu'il fallait partir de là. Et du coup, vous avez fait combien de pays à peu près? Vous ne sauriez nous dire exactement? Bon, Israël, Jordanie, Liban, Londres, je ne sais plus, je suis Italie. Là, on vous voit en image là sur scène. La réalisation va certainement nous proposer un bout de votre chanson, Afrique Ambiance, ou cette reprise de Charles Lembe, Mabola. Allez, on regarde. Allô? Oui, allô? Mais t'es où là? Je t'entends pas. Joka. Joka, Joka. Ah, Joka, Joka. Allô, allô, je t'appelle. Allô, allô, je t'appelle. Ah. Mais comment on fait pour le joker de ce soir? Ou alors tu m'as zappé? Yelele, 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 ah. Yelele, yelele. Non, monsieur Adrien Béa, oui, oui. Les femmes vous barrent aussi, c'est ça? Ben, malgré le fait que vous vivez un bain et tout ça, on vous barre aussi. Hein? Non, mais si vous, vous faites comment avec le Njoka de ce soir? Carrément, quoi. Hein? C'est quoi l'histoire de cette chanson? L'inspiration est tombée comme ça en plein studio, des étudiants en plein studio. En fait, l'histoire de cette chanson, c'est ma fille, en fait, chaque fois que j'appelais, en fait, elle dit « Allô, 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 papa, c'est le réseau. » Et je dis « Bon, il y a un problème de réseau. » Et là, en studio... vous l'avez transformé, vous l'avez adapté à Michiri, Coco... Voilà, exactement. Mais ça vous est déjà arrivé quand même, n'est-ce pas, de Mais on va le dire quand même. On est quand même passé par là. Le père, je ne suis pas disponible. On est quand même passé par là. Quoi. Alors, vous avez collaboré donc pendant pratiquement 11 ans avec le Adi Golans Group avant de décider de voler de vos propres ailes. Et vous allez donc sortir Afrique Ambiance. Afrique Ambiance. Oui. Un mélange de musique traditionnelle mais aussi de grands classiques, parce que ce n'est pas juste ça, le projet. Exactement. Merci de nous parler de l'univers dans lequel ce projet-là il a été réalisé. Bon, c'est vrai que vous nous avez raconté un bout de l'histoire, mais la fin, c'est les techniciens qui ont contribué. Vous avez écrit les chansons et qui a fait la musique? Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, 11 ans après Adi Golans Group, bon, voilà, et 40 ans, je vais à 40 ans de musique déjà en musicien. Ah oui. Ouais, donc, je me suis dit, à un moment donné, il va falloir quand même que je fasse quand même, que j'écrive quand même mes musiques, mes textes et tout. Et puis, voilà, j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à composer. Alors, pas mal de reprises aussi, hein. Et les reprises, exactement, les reprises que j'ai eu à faire, c'est les hommages que je rends à toutes ces légendes qui ont propulsé la musique camerounaise aussi. Qui ont Alors, vous avez côtoyé Papa Manu Dibango, Père Sonam. Ah oui, justement, en 86, déjà, c'est... Saint-Pain Thomas, oui, entre autres. Effectivement, nous avons fait le tour du Cameroun à l'époque. À l'époque, nous avons fait Yaoundé, Douala, Bafoussam, Bamenda, avec Tonton Manu et Saint-Fan Thomas. Ah oui, c'était c'était bien. C'était magnifique, il y avait un aura, il y avait un aura que dégageait Tonton Manu. C'était, je vous dis, c'était un monsieur, franchement... Unique au monde. Unique au monde, quoi. Il dégageait un aura, ça dit tout de suite,
vous sentez emporté, quoi. Ah, oui. Voilà. Il mettait tout le monde d'accord, en tout cas. Ah, ben, ça, c'est sûr. Alors, il y a ce nouveau projet, Mabola. Oui, c'est quand même un clin d'œil à Papa Charles Lembe, une autre grande voix, aussi, voilà, une des légendes aussi. Voilà. Camerounaise, vous l'avez rencontré à quelle occasion? Je n'ai pas eu la chance de le rencontrer. Malheureusement. Et qu'est-ce qu'il y a, une petite histoire. Ekambi Briand qui, voilà, parce que j'ai repris à Boki. Paix à son âme, ouais, aussi. Paix à son âme, oui. Aussi. J'ai repris à Boki d'Ekambi Briand. Donc, c'est comme ça qu'il arrive au studio. Je pense même que ça doit être le dernier studio d'Ekambi Briand. J'ai bonne mémoire. Donc il arrive au studio, on travaille et tout. Il a écouté Aboki, il était tellement content. Il dit, mais c'est pas possible. Là, franchement, les gars. Il faut faire quelque chose, quoi. Ah ouais, écoutez, okay. Les enfants, je pense que nous pouvons partir. C'est comme s'il disait au revoir, en fait. Je peux partir maintenant, je pense qu'il y a la relève. D'accord. Elle est assurée. Du coup, il me dit, écoute, dès que vous finissez. Allez-y, oui. Dès que vous finissez l'album, vous me l'envoyez parce qu'il faudrait que j'aille voir Carlos. D'accord. En fait, il appelait Charles Mbé Carlos. C'est un album de 12 titres. Alors, on fait comment pour l'avoir, cet album? Cet album, c'est sur toutes les plateformes en ce moment. D'accord, donc Adrien Béa, ça se passe désormais sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas passé votre long numéro kilométrique là. Alors non, on ne va pas le faire. Merci en tout cas, bon retour du côté de Paname. C'est moi qui vous remercie infiniment. Oui, et bonjour à nos compatriotes qui nous regardent de ce côté. Voilà. Allez, nous allons vous raccompagner avec ce reportage qui est dédié à la chanteuse Bettina. Une chanteuse qui prône la paix à travers ses chansons, mais pas seulement. Elle était en concert récemment du côté du Centre culturel camerounais. Alors pour plus de précisions, retrouvons donc Charlie Maïk Mpanzé. Louanges et adorations étaient au rendez-vous le jeudi dernier au Centre culturel camerounais de Yaoundé. Un concert de gospel mêlé à la musique urbaine pour glorifier le nom du Seigneur. Un public visiblement conquis par la prestation des artistes au rang desquels Bettina Starr. Petits et grands, les spectateurs ont vibré au rythme des chansons de l'album Hosanna. Ils ont prié, crié, chanté et dansé. Une ambiance qui plonge dans les racines de la chanteuse et qui rend fiers les parents. La louange qui m'a beaucoup plus touché, c'est la louange qu'elle a ouverte avec. C'était la louange de ma mère. Et elle porte le nom de ma grand-mère, Lombi. Donc ma maman aimait beaucoup une louange. Lorsqu'elle a rappelé cette louange tout à l'heure, je me suis souvenu de ma mère et puis j'ai failli écraser une larme. Ce n'est que formidable. C'est l'histoire d'un événement qui se veut une vitrine de l'action de la jeunesse camerounaise. Nous sommes également contents de ce que la jeunesse camerounaise a décidé de servir Dieu dans la louange, en son temps, dans sa génération. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ce qu'il nous fait vivre ces moments-là, ces moments intenses d'adoration et de louange. Nous sommes infiniment reconnaissants. Un coup d'essai, un coup de main qui fait rêver grand. L'objectif était atteint. On n'a pas cru dès le départ qu'on pouvait réaliser ce que nous sommes en train de réaliser actuellement. Je crois que là, nous sommes satisfaits et nous sommes vraiment galvanisés à produire notre spectacle plus grand que celui-là. Un succès retentissant qui s'appuie sur une vision. Je suis émue ce soir parce que le concert a été une réussite.
vraiment par la grâce de Dieu, nous avons pu chanter des titres personnels tels que Hosanna, tels que Ce sera moi, tels que One Love. Pourquoi ces choix? Simplement parce que c'est d'abord une vision, mais également parce qu'au-delà du sacré, nous faisons également dans le séculier. Nous avons cette vision-là d'accompagner des personnes dans des joies comme dans des peines. Honnêtement, je ne pouvais pas espérer mieux. Bon vent pour les prochains événements. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent, en toute création. Merci infiniment, Charlie Maïk Mpanzé, pour ce compte-rendu. Allez, je vais sans plus tarder accueillir un artiste qui nous fait beaucoup de bien. Oui, chaque fois qu'on l'écoute, il s'est révélé à la face du monde grâce à Mamour, cette ode à toutes les mamans sortie en 2016 et qui lui a valu le Ballantine's True Music. Mais ce n'est pas la seule, le seul prix laurier qu'il a remporté. Lui, c'est Marty Danak, le fils de la Lekie. Un bon étonne. Mon carburant est fini. Alors, s'il est venu ce matin, c'est pour vous présenter Krosana. Je ne voudrais pas me tromper, sa nouvelle collaboration avec papa Manu Dibango. Bonjour, Marty. Bonjour, Rose, si ce n'est papa Bendika. Comment allez-vous? Je vais assez bien. Assia, on a appris, vous avez été victime d'un accident de la circulation il y a un mois, pratiquement. Oui. Beaucoup de courage. Merci. Vous tenez bon? Bien entendu, je suis vivant. Donc moi, je rends grâce à Dieu d'être vivant. Mm-hmm. C'est des péripéties comme il y en a tous les jours. Donc il faut louer l'Éternel d'être en vie et continuer de faire ce qu'on aime faire, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Merci en tout cas à Dieu. Vous êtes au moins debout, c'est le plus important. Absolument. Merci Alors, à Dieu. Alors, depuis la sortie de Krosana, combien de vues à ce jour? Vous avez une petite idée? En une semaine, 2000 vues sur YouTube. Oh, c'est et pas ça mal. Continue. Mais par contre, ce sont des vraies vues. Ce n'est pas des vues monnayées. D'accord. Sans polémique, bien entendu. Sans polémique. Donc, Avant qu'on ne rentre, qu'on ne parle véritablement de cette collaboration, qui n'est pas la première avec Papa Bendika, je propose qu'on... Voilà, cette petite compile qui va revenir sur ces chansons que vous avez composées. Allez, on regarde. C'est avec le concours, bien sûr, de la réalisation. Alors, il faudrait, pendant qu'on prépare l'élément, je crois que c'est bon, on peut y aller. Marty Danak. Dreamer. Si ben te mi sento la mia aiue na si ben te mi sento ti na na bene non posso la mia na si ben te mi sento la mia aiue na si ben te jamais qu'une heure, tu n'auras jamais qu'une heure. Dis-lui que tu l'aimes avant qu'il ne soit trop tard. Dreamer, Marty Danak. Yeah, no, le mega canam était il bien. Amour me maratové, le mega bob naïe. Yeah, no. Bibala pour mon angoano, pour te voir morine, pour parler du monde. J'ai meur.
ngali remita mo chéri vena kubo ibamba yo puisque t'es belle les hommes courent après toi puisque t'es jeune ils se mettent tous à genoux mais puisque t'es jolie ils sont prêts à tout pour ton minou mais parce que t'es une fleur il donnerait tout pour l'accueillir, bébé. Mais n'oublie pas, chérie, le temps joue contre toi. Et sans conférer, bébé, ta belle fleur aura fané. Magnifique. Voilà, c'est une petite compile, parce qu'il y a bien, il y a plusieurs autres chansons à Marty Danac. Donc c'est juste une petite compile des chansons qui ont marqué ou qui marquent encore votre jeune carrière d'artiste. Je rappelle que vous êtes auteur, compositeur, interprète, mais que vous avez également un diplôme, un master en sciences politiques. Vous l'avez rangé où, ce diplôme-là? Bah, je l'ai mis dans une guitare, peut-être. J'ai envie de dire qu'un artiste, plus sérieusement, il se construit. Et dans la construction de carrière, il était important de rendre hommage à nos illustres devanciers. Mmh, mmh. C'est-à-dire que ce soit Bendeka, que ce soit Wes Madiko, ou même encore le clin d'œil à Ntumba Minka, mmh. tout en se posant en même temps, avec mmh. des titres comme Crozana qu'on a pu écouter, qu'on a eu le bonheur de reprendre avec Roger du groupe Ex Malaya, mmh. et maintenant Crozana, finalement. Mmh, avec Papa Bendeka. Voilà. Alors, la première collaboration avec Papa Bendeka remonte en 2021 sur le titre Dipita Lam, Mon Espoir, extrait de son album culte, sorti en 1983. Pourquoi vous aimez tant Papa Bendeka? Pas seulement, mais il est une voix. Mmh. Et moi, je suis une voix. Et je crois qu'entre voix, on se comprend, on mmh. s'entend. Donc du coup, voilà, il m'avait semblé opportun quand même de faire un clin d'œil à ces musiques qui ont bercé mon enfance. C'était mm-hmm. pas une collaboration à proprement parler, c'est un cover que j'ai fait. Mm-hmm. Et à la suite de ce cover-là, il a écouté le rendu, il m'a fait chercher pendant 4 mois. Ah ouais. Il a pu mettre la main dessus grâce à Sa Majesté Yanni Boy Touké, okay. Qui est lui-même un aîné académique, mm-hmm. mais qui est devenu chef de 3e degré dans le littoral quelque part là-bas. Mm-hmm. Donc c'est à partir de là qu'on entre en contact. Et quand moi je vais le voir, l'anecdote veut que j'ai déjà écrit Crozana à cette époque. D'accord. C'est-à-dire que alors que je vais à Daido le rencontrer, je lui dis, tiens, écoute ça, c'est une chanson que j'avais déjà écrite. Et qui parle de quoi? Ensemble. Crozana, c'est l'amour rêvé, c'est un amour espéré, c'est une déesse. C'est assis sur ce morceau de bois au crépuscule plein de lune, je m'étais mis à penser à ce à quoi tu ressemblerais, assis. Sur cette route désertée, tu m'étais venu, et j'étais peint comme un tableau auquel on donnerait pas de prix. Crozana, oh Crozana, 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 oh Crozana, Crozana, je t'attendais à tes Crozana, oh Crozana, 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 oh Crozana. Je te jure, je t'attendais à tes... Et est-ce voilà, que vous l'avez trouvé finalement? Ah, j'espère la trouver en passant entre autres par la CRTV, j'espère. Pourquoi pas? Alors c'est peut-être un titre aussi qui annonce prochainement la sortie de l'album. Vous l'annoncez Absolument. Depuis le temps, vous en êtes où exactement aujourd'hui? On en est à, on va dire quoi, on achève le mastering en studio en ce moment. D'accord. Et en raison de la longue attente, entre guillemets, mm-hmm. il est important de sortir. Bon, après, il faut bien prendre salle, le temps voilà, pour bien faire les bien choses faire. Aussi. Mais quand D'accord. même, j'estime qu'entre Dipita Lam et Crozana aujourd'hui, il y a eu un petit moment, mm-hmm. moment pendant lequel on travaillait, sauf que le public ne l'entend pas nécessairement de cette oreille-là. D'où Crozana. Non, continue à travailler. Hein. Le voilà. public a son heure. Voilà, le oui, public oui. ne suit pas comme ça. Le Absolument. Public a son heure. Quand le public aura décidé, on... ah, voilà, je suis sûre que quand on va même vous appeler, là, le numéro va plus passer. Lol. Crozana, j'imagine que l'ambiance qui a régné en studio était une ambiance oui. bon enfant. Bon enfant, hein, c'est une ambiance de père et de fils mm-hmm. finalement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de protocole entre mon papy et moi. Oui. D'accord. Il est venu à Yaoundé à 2 reprises pour D'accord. que nous enregistrions cette chanson. Carrément pour à vous, reprises, quoi. Oui. Waouh.